Salut, c'est Martouf. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler de géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est ce qui fait tout autour de nous. C'est les structures du monde. Je suis passionné par les structures du monde, les structures de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Comment ça va? Les nuages ici. Quelles sont leurs structures? Les arbres ici. Hein? La phyllotaxie. Il y a énormément de choses. Les humains aussi. Hein? Mon bras ici. Mes avant-bras. Il y a plein de choses qui sont liées à la géométrie sacrée. Donc ici, je vais te faire une petite introduction pour avoir les fondamentaux. C'est une géométrie qui est quand même différente de la géométrie qu'on apprend à l'école, donc ça vaut la peine d'en parler. Donc voilà, ce sera une petite présentation. Tu vas plus trop me voir là. Maintenant, je vais te faire plein d'images parce que la géométrie, forcément, c'est que des images. Donc voilà, c'est parti. 1, 2, 3, go! Donc voilà, petite introduction à la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, tu vois que je l'ai écrit, géométrie sacrée. C'est la langue des oiseaux. Déjà, on voit sacré ou sacré. Et bah, je te laisse décider de savoir ce que ça veut dire vraiment. Donc l'idée de la géométrie sacrée, c'est que pour moi, ce sont les structures de l'univers. J'ai toujours passionné par les structures de l'univers. Je creuse, j'essaie de trouver. Alors notamment, j'ai fait plein de vidéos sur les structures qui structurent le plus notre société, la monnaie et les systèmes économiques. Mais au-delà de ça, on a tout ce qui est les formes. Les formes sont très importantes parce qu'elles génèrent tout ce qu'on voit autour de nous et elles génèrent tout ce qui est de la physique, tout ce qui est du monde entier. Donc voilà. Et toutes ces grandes réalisations humaines qu'on voit ici, les pyramides là en Égypte, c'est juste incroyable. C'est des monuments, ils sont là depuis des millénaires. Et quand on étudie comment ils sont conçus, plus on avance, plus c'est incroyable. Donc ça, c'est une photo que j'ai faite il y a quelques années quand j'y suis allé. Donc c'est juste incroyable. Je suis allé dans la chambre haute de la Grande Pyramide. On verra juste après dans la présentation le détail de tout ça. Le guide nous a dit que ça sert à rien d'aller dans la pyramide. Depuis dehors, c'est plus joli parce que dans la chambre, en fait, c'est une grande chambre vide. Il n'y a rien. Ça, c'est vraiment une personne qui ne connaît pas la géométrie sacrée. C'est une personne ben, très instruite. Hein. J'ai eu un très bon guide qui était allé là-bas, qui connaît énormément de choses. Mais il ne connaît pas la géométrie sacrée. Ce n'est absolument pas une chambre vide. Il y a tellement de choses dans la géométrie de cette chambre que moi j'y ai passé 3 quarts d'heure en observant les moindres détails. J'aurais bien aimé pouvoir tout mesurer, mais c'est un peu compliqué quand on est sur place. Il y a des choses absolument incroyables et on se demande toujours comment, qui, quoi a pu créer ça. Donc voilà. Là, je vais faire une introduction à la pensée plutôt de l'Antiquité ou avant. Des gens, ou je sais pas quoi, qui a pu créer ça. Parce que c'est tellement. On doit être proche du divin, des fois. La géométrie sacrée, sacrée, c'est le divin, c'est des choses comme ça. On est dans quelque chose, on ne conçoit plus les choses de cette manière maintenant. Et c'est vraiment les structures de l'univers, parce que autant dans les créations humaines, des gens qui font attention à ça, que dans la nature, on retrouve ça. Donc voilà, c'est parti pour un joli voyage sur la géométrie sacrée. Je pense que tu en sauras un peu plus dans quelques instants. C'est parti! Donc c'est une science. Moi j'appelle que c'est une science la géométrie sacrée. Elle est vieille comme le monde, ou même plus vieille que le monde, comme l'univers. Donc ce qu'on voit déjà sur la première page, là, l'espèce de structure bizarre, c'est ce qu'on appelle le cube de Métatron. C'est tous les solides platoniciens qui sont mis dedans. C'est toutes les structures régulières et stables qu'on puisse faire. Et donc, ben on a le carré, enfin le cube, l'icosaèdre, dodécaèdre, on voit des triangles, on voit toutes les formes. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve un peu partout, régulières. Donc ici, j'ai mis plein de photos. Ça évoque déjà le grand architecte. C'est l'art des bâtisseurs. Hein. Les bâtisseurs, c'est en même temps le grand architecte, qui est donc le symbole de Dieu qui a bâti l'univers. Mais aussi de tous ces gens, là j'ai mis la cathédrale, parce que toutes les cathédrales sont construites selon les règles, la géométrie sacrée. Il y a des gens qui ont essayé de faire une résonance entre l'univers et les constructions humaines.
Et on voit qu'effectivement, ben, dans la nature, là on a la phyllotaxie, on a aussi des coquillages, la spirale est très souvent présente, la spirale c'est dans les fondements de la géométrie sacrée, et la spirale ben, on la retrouve dans la nature, dans tout ce qui est végétaux surtout, mais aussi ben, une tornade, les flux d'eau qui s'écoulent, et tout ça, ça a du sens. Et dans les flux, ben, ça peut être des matières qui sont très fluides, mais on voit qu'une galaxie elle est autant fluide en fait. Des milliards d'étoiles qui se mettent ensemble, ça nous fait les mêmes formes. Et après, on ne sait toujours pas qui crée ça, mais les crop circles sont toujours, presque toujours faits en géométrie sacrée. Plus c'est complexe, plus en fait c'est mystérieux. Je ne sais pas qui les crée, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est incroyablement magnifique. Et ça en résonance avec tout ce qu'on voit là autour. Ici, j'ai mis Léonard de Vinci avec son homme des Vitruves. L'homme de Vitruve, c'est aussi l'expression. On voit un carré et un cercle. C'est la quadrature du cercle, un des problèmes les plus importants de toute l'Antiquité. On y reviendra après, on peut voir un peu de géométrie. Et Léonard de Vinci, il était initié certainement à beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses dans la géométrie sacrée. Là, on voit les proportions de l'homme de Vitruve. On retrouve toute la géométrie sacrée, notamment le nombre d'or qui apparaît dans les proportions, la proportion dorée qui apparaît dans les proportions des bras, comme on voit bien entre les bras, les avant-bras et tout, on a les mêmes proportions qui se répètent en mode fractal. On reviendra à tout ça. Et puis, ben, j'ai déjà évoqué tout à l'heure, les grandes pyramides d'Égypte avec le Sphinx. C'est vraiment les monuments les plus mystérieux de cette planète, les monuments les plus durables. Les sept merveilles du monde, c'est la seule qui est encore debout et qui a résisté à au moins trois tremblements de terre majeurs qui ont rasé toute la région. Donc c'est conçu vraiment, vraiment d'une manière qui est tellement harmonieuse avec l'univers que c'est normal que ça tienne. Et puis, y a Stonehenge à côté. Donc ça, c'est toutes des photos que j'ai faites de la même année. J'ai eu l'occasion d'aller faire un grand voyage. Et la même année, j'ai vu beaucoup de choses. Autant du côté des mégalithes. Donc je pense que les pyramides sont des mégalithes. C'est aussi méga, méga. Donc grosse, grosse pierre, lithes, les pierres. Stonehenge. Il y a aussi énormément de choses liées à la géométrie sacrée, mais aussi à de l'astronomie. Dans les deux cas, pyramide et Stonehenge, et ces trucs-là, ben l'astronomie, on voit qu'elle est liée à la géométrie sacrée, avec notamment l'image des galaxies que j'ai mis là-dessus. Et puis tout ça, ça a l'air d'être transmis de génération en génération dans des sociétés discrètes, dira-t-on, et au travers de peintures comme celle que j'ai mis là, où c'est la philosophie hermétique, l'hermétique comme les boîtes Tupperware, qui transmet les choses de manière fermée, aux initiés qui savent les reconnaître. Donc ce que j'ai envie de se faire ici dans cette petite présentation, introduction à la géométrie sacrée, c'est de te fournir les fondamentaux qui permettent ensuite pour toi de décoder des choses et qui permettront de voir ce que les initiés voient et ce que les autres ne voient pas. Donc notamment, tu diras plus la chambre en haut de la grande pyramide de Gizeh, elle est vraiment vide, vide. Non, elle est incroyable. D'ailleurs, le calife Al-Mamoun était très déçu quand il a été visiter tout ça. Il a dit « Ah, il y avait dedans, on m'a promis les cartes du monde et elles n'y sont pas. C'est vide. » Mais en fait, non. C'est le bâtiment qu'il faut regarder. C'est pas ce qu'il contient. Et du coup, cette science réservée aux initiés, voilà, je vais tenter de te donner quelques clés qui vont te permettre de voir le monde un peu autrement. Tu ne seras plus un moldu, c'est ça ? Alors, géométrie, qu'est-ce que ça veut dire ? La géométrie, géo, ben comme géographie, géo c'est la terre, c'est Gaïa, G de Gaïa. Mais le G, on le voit, il réapparaît beaucoup, notamment dans les sociétés discrètes, avec le compas et l'équerre, c'est un peu nos amis francs-maçons. Francs-maçons, parce que ce sont des constructeurs libres. Francs-maçons, c'est ça, c'est des bâtisseurs libres. Mais de quoi, qu'est-ce qu'ils bâtissent ? Et c'est très intéressant. Et on a beaucoup de symbolique là derrière. J'ai jamais été franc-maçon, ça me donne pas trop envie. Je suis pas sûr que ce soit toujours pareil maintenant que ce que ça l'a eu été un temps. C'est des gens qui ont porté des valeurs, qui ont construit nos pays après la royauté, qui ont démocratisé les pays. Et du coup, ils ont aussi mis leur vision du monde à l'intérieur de beaucoup de choses, et qui était une vision du monde certainement beaucoup plus ancienne. Alors ça, je le dis parce que le maître est une chose très étrange. Donc là, on a en fait la définition du mètre sur ce globe ici autour. On voit, c'est le méridien ici. Les méridiens, dans l'ancienne définition, c'est ce qui fait
tout le tour de la Terre en passant par les pôles. Dans la nouvelle définition, c'est que la moitié. Donc là, c'est le méridien de Paris qui a été utilisé, mesuré il y a 200 ans pour essayer de vérifier la définition du mètre qui est le 10 millionième de 1 quart du méridien terrestre. Donc du grand cercle qui passe par les pôles, on en prend le quart, on divise par 10 millions et on obtient la longueur du mètre. Ça, c'est la définition. Elle n'est plus actuelle depuis 1983. Elle a été fixée sur d'autres valeurs. Et du coup, je pense qu'on a perdu des choses. On ne comprend plus le sens de ce truc-là. Et toute la géométrie sacrée, c'est quand même une quête du sens, de retrouver du sens à quelque chose. Donc voilà, c'est la définition du mètre. Et ça, ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Là, j'ai juste l'introduction. Mais je fais déjà un peu de teasing pour t'inciter à aller chercher la suite. Celle de la véritable origine du mètre, en titre accrocheur. Et on voit que l'unité est la mesure de toute chose. La métrie, géométrie, c'est la mesure. Géométrie, ça veut dire mesure de la Terre. Donc le mètre, c'est aussi la mesure de la Terre. Et je pense que la Terre a été mesurée dans des temps beaucoup plus anciens que ce qu'on pourrait croire. Je ne sais pas ce que veut dire ce G des francs-maçons. Certains disent que c'est God, Dieu. Certains disent que c'est géométrie, tout simplement, Gaïa, la Terre, que ça pourrait être la gravité. Et il semble que Newton, qui était aussi dans la franc-maçonnerie, j'ai cru comprendre ça. En tout cas, c'était un initié qui savait pas mal de choses, et un bon scientifique dans tous les sens du terme, et un bon alchimiste aussi, un adepte de la science hermétique. Il a voulu vérifier toutes ses théories sur la gravité à l'aide des pyramides en Égypte. On voit, là il y a déjà quelque chose qu'on ne nous dit pas en général quand on fait les cours de physique de base dans l'histoire. C'est très intéressant, Newton. Et aussi, Newton s'intéresse beaucoup à la monnaie, c'était le grand chef de la monnaie, parce que c'était un alchimiste. Les alchimistes, ben, ils faisaient de l'or, alors les rois les engageaient. Mais je pense que sur ce côté-là, c'est pas là où il était le plus brillant. Bien, 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 alors maintenant que nous savons ce que c'est que la géométrie, continuons. Il y a deux notions que j'aimerais bien te faire entrer dans la tête qui sont différentes. C'est la proportion et l'échelle. C'est pas pareil. Donc ici, on a une merveilleuse île et une carte de l'île. Alors c'est à toi de regarder où se trouve le trésor. En fait, on a les mêmes proportions dans la carte et dans le territoire. Mais la carte n'est pas le territoire. Parce qu'il y a une différence de taille, d'échelle. Mais la proportion est la même. Bon, faut faire gaffe parce que les cartes, quand c'est à petite échelle, ça va. Mais à large échelle, la carte de la Terre, qui est un globe aplati, n'est absolument pas la même chose qu'une carte qui est plate. On fait des projections, donc on déforme les proportions. Donc c'est une image que j'essaie de donner, ce n'est pas valable dans le cas où on déforme l'image. Mais ici, à petite échelle, à l'échelle de cette île, je pense que c'est assez juste de dire que finalement, on a la même proportion. C'est une proportion de l'image, par exemple, largeur, hauteur, on divise l'un par l'autre, on a une proportion. Et on a toujours les mêmes proportions. Et ça, peu importe la taille. C'est la notion d'image vectorielle, par exemple. Une image vectorielle, on peut l'avoir toute petite, affichée sur un écran d'ordinateur. On peut la faire toute grande pour faire des affiches gigantesques. Le fichier qui contient tout ça, qui décrit ça, décrit cette image, décrit en fait des proportions. Et tant qu'on a des proportions, on peut toujours retrouver ça. Donc là, on a les proportions et on a la taille. Ici, la taille, l'échelle, elle replace l'objet dans son contexte, à son niveau, à son échelle. Et ici, ben, j'ai l'humanité, la mesure de toute chose. Parce que nous, on vit à notre propre échelle. On a des perceptions du monde qui dépendent de notre échelle. Nous ne vivons pas au monde atomique. On ne voit pas les atomes. On ne voit pas les molécules. Mais on voit les organes qui sont composés d'atomes et de molécules, de tissus. Mais on ne voit pas non plus les échelles plus grandes. On est sur une planète qui se trouve autour d'un système solaire, qui se trouve dans une galaxie. Et puis, bah, tout ça, c'est intéressant, mais en fait, on n'est pas une conscience suffisamment grande pour englober tout ça. On n'a pas de vision globale sur une galaxie entière. Et pourtant, on voit qu'il y a des proportions qui sont identiques. Il y a des structures qui sont valables à toutes ces échelles. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est incroyable. Il y a des choses comme ça qui se font. On ne sait pas toujours pourquoi. C'est accès à la géométrie, à la manière dont l'espace-temps est conçu, certainement.
Mais voilà qu'on a notre taille. Alors nous, justement, l'humanité est la mesure de toute chose, parce que nous sommes humains et c'est à partir de notre conscience humaine que nous pouvons voir les choses. Donc on a défini ensuite l'échelle avec la taille. Ici, c'est un empan qui est représenté. Un empan, moi j'ai appris ça en lisant un bouquin, mon grand-père m'avait donné, qui était un bouquin de Rabelais, dans lequel il y avait 1000 notes de bas de page, c'était super compliqué à lire, mais en bas il y avait l'empan. Et la seule chose que je me souviens de ce bouquin, je crois, c'était l'empan, qui est vraiment la largeur de l'index au pouce. Et c'est une ancienne unité de mesure. On y reviendra, parce que c'est très important par la suite. Et ça fait 20 cm, soit un cinquième de mètre aussi. Et ici, j'ai mis le chou romanesco à gauche. Donc ce chou romanesco, on voit que il a une forme globale avec plein de pics. Puis si on choisit une pique, il a aussi une forme globale avec plein de pics. Puis si on choisit une pique, il y en a une toujours plus petite, mais c'est toujours pareil. C'est la même forme à différentes échelles. Et ça, c'est ce qu'on appelle un objet fractal. La fractalité, c'est la même chose dans la même chose, dans la même chose, dans la même chose, dans la même chose. On ne sait plus trop. En fait, c'est comme un arbre, il y a un embranchement, puis un embranchement, puis un embranchement, puis un embranchement. On ne sait plus trop en fait. Ou une côte, comme sur ces bords de plage d'île, j'ai un crochet, une anse, je regarde, c'est plus petit, puis c'est encore plus petit, puis en fait, c'est toujours la même forme, mais toujours plus petite. Et on a des sauts d'échelle comme ça. Donc finalement, on a une structure globale gigantesque, mais on vit à une échelle particulière. Mais la structure se répète. Et en proportion pareil, mais on a besoin de l'échelle pour se replacer dans son contexte. Donc voilà, c'est les deux notions principales, proportion, échelle. Donc tout à l'heure, dans la géométrie sacrée, on va vraiment, vraiment être axé sur la proportion, sans unité, sans échelle. Et ensuite, on va commencer à introduire la notion d'échelle, d'unité de mesure. Et puis, là, on va juste introduire, et ensuite, ce sera dans la vidéo sur l'origine du mètre, on en parlera plus précisément. Alors, l'idée, c'est aussi de comprendre maintenant la géométrie sacrée, ça va donner du sens à quelque chose. Et dans notre société, si je te dis pi, c'est quoi? Le nombre pi. Il y a plein de gens qui vont me dire, ah, c'est 3,14159267829. Puis les autres qui disent, ah, non, c'est un nombre, il est un peu bizarre, il est très long, c'est à l'infini, donc on peut juste l'écrire pi. Donc là, j'ai écrit en notation à virgule et en notation avec les lettres grecques qu'on utilise souvent en mathématiques et en physique. La physique. Et ici, la lettre pi, elle symbolise le tout de ce nombre. Mais ça, c'est juste une représentation. Les gens s'arrêtent souvent là. En fait, c'est quoi pi? Tu sais toujours pas, c'est quoi le sens de pi? Qu'est-ce que c'est que pi? Alors, si tu creuses un peu, les gens disent, ouais, ça a une notion, il y a un truc avec le cercle, ouais, il y a un lien là autour. Puis là, je me dis, ouais, là, quand je fais un petit sondage, je vois que la majorité des gens, en fait, ils retiennent rien, ils appliquent les formules qu'on leur fournit en cours de maths, mais ils n'ont rien compris. Mais après, ils trouvent que les maths, c'est compliqué. Ça va pas être facile. Donc ici, il faut retrouver le sens. Notre cerveau est fait pour donner du sens. C'est justement pour ça qu'on a plein de théories conspirationnistes, c'est qu'on met du sens même là où il n'y en a pas, pour relier les choses. Donc là, on a une facilité à retenir avec le sens. Donc je te propose, au lieu de te souvenir que c'est 3,14159926, blah, et puis des milliards de décimales dont en fait on n'en a rien à faire, c'est de savoir, mais qu'est-ce que c'est vraiment pi? Alors voilà une petite animation qui va t'expliquer concrètement. Pi, c'est le rapport entre le diamètre et la circonférence d'un cercle. Petite animation, hein. On va regarder parce que c'est quelque chose, là on fait le cercle, on le reproduit et là on déroule. Donc le diamètre, c'est ce qui traverse la roue. Là avec ça, on en met 4 à la suite, ce qui permet de faire les 3,14 qu'on verra. Donc c'est le nombre de diamètres qu'on a. Le 1 étant le diamètre, sans unité justement. C'est là où on est dans la proportion, mais absolument pas dans la taille. Ça pourrait être des kilomètres comme des millimètres, on n'en sait rien. C'est la proportion. Et ici, on a la notion, la roue, elle tourne, et on peut dire que c'est le pneu qui s'aplatit par terre, comme ça on peut le mesurer de la même longueur que le diamètre. Et ici, on voit qu'on a 3,14159269, blablabla, 3,14159,
diamètre pour la circonférence du cercle. Donc le rapport entre le diamètre et la circonférence du cercle, c'est cette proportion entre les deux qui est toujours la même pour n'importe quel cercle, peu importe sa taille. Ça peut être une petite bille, ça peut être un machin absolument minuscule, comme ça peut être le soleil qui est absolument gigantesque. C'est un cercle et ce cercle a toujours ses proportions qu'on retrouve. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Et pi, en fait, c'est vraiment un nombre magique qu'on retrouve partout dans l'univers. C'est vraiment étonnant. Pi, il est partout. Des fois, tu te dis, mais pourquoi il apparaît dans cette formule? Il apparaît dans les formules pour le paratonnerre, avec les choses électriques. On a besoin du diamètre d'une sphère, et il réapparaît. On a besoin de faire les lois de probabilité. Et alors, les probabilités, je ne sais pas ce que pi fait dans les probabilités. Le diamètre et la circonférence d'un cercle sont réels dans les probabilités. Des fois, il est vraiment partout. Donc voilà, ça c'est une notion importante. Et ce nombre, il est très 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 spécial. C'est un nombre dit irrationnel. Et en plus, c'est aussi un nombre transcendant. Ça c'est des notions pas très claires. Donc, en mathématiques, irrationnel, ça veut dire qu'il ne peut pas être mis en ratio. Donc on ne peut pas mettre en fraction rationnelle. Ce n'est pas un nombre divisé par un autre avec une proportion comme une demi, un quart, deux tiers, des choses qu'on arrive à bien concevoir nous. Non, là c'est irrationnel, donc on ne peut pas le mettre dans une fraction entière parce qu'il est à l'infini. Et là j'ai mis une partie des quelques décimales et encore des milliards et des milliards et des milliards. Et le nombre transcendant, ça veut dire que c'est encore pire, on ne peut pas le mettre sous la forme d'une équation. Donc c'est vraiment un nombre bizarre, qui n'est à rien dans rien. Donc voilà, on va introduire déjà quelques notions de mathématiques, de géométrie, pour ensuite entrer pleinement dans la géométrie sacrée. Donc pour tester si tu as bien tout compris, on va prendre un autre nombre qui est très bizarre, qui est donc ce symbole, c'est la racine de 2. Racine de 2, c'est quoi pour toi ? Hein, si je te demande comme pi c'est quoi, 3,1479, ben voilà, racine de 2 c'est quoi? Bon, alors tu sors ton smartphone, tu regardes, puis tu me fais racine de 2. Ah, t'es embêté, hein, parce que ton smartphone là, la calculette, elle est où la touche racine? Petite astuce, tu le mets en panoramique, mode horizontal, et ah, il y a la touche racine qui apparaît. Alors racine c'est quoi? C'est 41, 42, 35, blablabla. Ok, c'est un peu comme me dire que pi c'est 3,14, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, parce que c'est un mode de représentation. Tu vas sur une autre planète, peut-être que les gens ils parlent pas la même langue, qu'ils n'ont pas le même mode de représentation des maths, et ton 3,14159 ou ton 1,41,42 machin, ça voudra strictement rien dire. Peut-être que les gens ils utiliseront la base 36, puis rien à voir. Il faut comprendre le sens que ça a. Et ça, c'est universel. La géométrie, elle est assez universelle, c'est des choses qu'on voit, qu'on perçoit, qui n'ont pas une représentation, qui sont en mode assez direct dans les perceptions qu'on a en tant qu'humain, en tout cas. Peut-être que les extraterrestres voient ça autrement. C'est tout simplement la diagonale d'un carré, racine de 2. Un carré, ben, c'est la même distance de chaque côté, à angle droit. Et tu fais la diagonale, c'est 1,4142 fois le côté, vu que le côté est 1. Donc la proportion entre le côté et la diagonale sera de 1,4142, c'est la racine. Et ça, on le sait depuis très longtemps. La plus vieille représentation qu'on a, c'est entre, aux environs de 1700, moins 1700, une tablette d'argile sumérienne qui parle déjà de ce qu'est la diagonale du carré, et là c'est écrit en sumérien. Alors quand je te dis que les extraterrestres sont peut-être une autre base, ben, les sumériens ils comptaient en base 60. Donc ici, ben, il y a le 1, donc c'est 1, puis après c'est 24 soixantièmes, plus après on décale dans les positions, 42 soixantièmes, plus 51 soixantièmes, plus 25 soixantièmes, plus 10 soixantièmes, plus 35 soixantièmes. Si tu additionnes tout ça, puis que tu fais le calcul pour le convertir en base 10 comme on l'utilise, on aura 1,41, 42, etc. Ça marche. Les Sumériens, ils étaient déjà forts. Hein. Il y a des milliers d'années, c'était déjà top. C'est comme pour la monnaie, ça n'a pas changé beaucoup depuis. Et en plus, les Sumériens sont certainement beaucoup plus forts que ce qu'on pense. Depuis 2005, il y a un prof de mathématiques
australien qui s'appelle Wildberger qui a inventé une nouvelle forme de trigonométrie, la trigonométrie rationnelle. On vire les racines et du coup ça simplifie pas mal de choses dans le calcul. Ils font des fractions et ils arrivent à tout définir. Donc là on a une tablette d'argile sur laquelle on a déjà de la trigonométrie. La trigonométrie, ça a affaire aux angles. Quand on dit ben voilà, un sinus de 20 degrés plus blablabla, ça fait blabla. Et bien là, ils ont déjà une autre manière de représenter les choses et qui en fait, on appelle ça la trigonométrie rationnelle parce qu'on a des tabelles, parce que nous on fait des approximations. Un sinus de 1/2, ben c'est pas compliqué. Sinus de 30 degrés, ça fait 1/2, c'est pas compliqué. Mais si on a d'autres angles, c'est un peu plus compliqué. Donc là, on voit que les Sumériens, il y a des millénaires, ils étaient plus forts que nous pour certaines choses. Donc on est en train de redécouvrir ça depuis 2005 et on voit que les mégalithes sont aussi construits souvent, notamment à Karnak par exemple. C'est aussi construit sur les bases de cette même géométrie. Et là, on se dit que pour nos ordinateurs, ce serait vraiment très pratique qu'on utilise ça parce qu'on aurait des tabelles avec des calculs exacts plutôt que d'avoir des approximations qu'on a faites. On se dit, eh ben, il faut être humble, puis se dire que ouais, on n'a rien inventé en fait. Ça fait peut-être des siècles qu'on utilise une mauvaise méthode, pas mauvaise, mais moins efficace, moins précise, qui fonctionne quand même pour pas seulement chose. Mais les Sumériens, avec un mode de pensée un peu différent, avaient mieux. Et c'est tout ça la géométrie sacrée, c'est de se dire qu'avec un mode de pensée un peu différent, même beaucoup différent, ben, on peut peut-être faire des choses incroyables qu'on n'imaginait pas. Donc il faut garder l'esprit ouvert. Trigonométrie rationnelle. Alors dans l'Antiquité, les gens ils faisaient pas les maths de la même manière que nous. Puis c'est ça qui nous déroute. On se dit c'est un peu stupide des fois, mais en fait non. En fait c'est très différent. Ils faisaient beaucoup de géométrie. Ils faisaient du calcul uniquement au compas et à l'équerre. Et ça je trouve rigolo parce que compas et équerre c'est exactement ce qu'on retrouve dans le symbole des francs-maçons avec le G de peut-être géométrie. Et un des problèmes majeurs de toute l'Antiquité c'était de résoudre la quadrature du cercle. D'ailleurs on le dit maintenant même que c'est un problème insoluble la quadrature du cercle parce qu'on a découvert qu'il existe des nombres qui sont constructibles et des nombres qui sont non constructibles. On ne peut pas construire avec la règle le compas, l'équerre. Alors, c'est intéressant. Il y a des choses qu'en géométrie, on ne peut pas faire. Et on est obligé d'utiliser des méthodes approximatives de calcul numérique. Et tout ça, c'est à cause de pi. Donc, pendant des siècles, voire des millénaires, les gens ont essayé de faire des méthodes de calcul de la trigonométrie et de géométrie pour arriver à réussir à faire la quadrature du cercle. Donc, c'est un cercle et un carré qui ont la même surface exactement. Donc là, c'est représenté un cercle, un carré superposé. Et le problème, c'est qu'on doit faire la racine du nombre pi. Et comme c'est un nombre irrationnel, on ne peut pas avoir de racine du nombre pi, vu que c'est un découpage infini, on est dans une boucle infinie et c'est foutu. Alors, heureusement, en théorie, dans le monde des mathématiques idéal, où l'infini est possible, ben on est coincé. On n'arrivera jamais, on peut faire que des approximations, mais on n'arrivera jamais à faire le truc très précis. Par contre, dans une construction physique, où au bout d'un moment, il y a des atomes. L'atome, c'est le mot grec qui dit qu'on ne peut pas couper plus petit. C'est le truc le plus petit. C'est le pixel de ton ordinateur, de l'écran de ton ordinateur. L'atome, on ne peut pas couper. Bon, après, on s'est avéré qu'on a réussi à les couper, à faire des quarks, à faire des électrons et tout ça. Mais il se trouve que ben là, je pose devant la grande pyramide de Gizeh et pour moi, c'est une résolution du problème de la quadrature du cercle. Mais une résolution de manière physique. Donc ce n'est pas une résolution idéale mathématique, mais on a quand même la surface d'un cercle et d'un carré qui sont identiques. Et c'est cette géométrie de base qui, à mon avis, a construit le schéma de base de cette grande pyramide. Alors c'est lié à plein d'autres choses, je ne sais pas si c'était parce qu'ils voulaient générer autre chose ou parce qu'ils voulaient générer cette quadrature du cercle. Mais toujours est-il qu'on y arrive. On arrive à résoudre ce problème. Mais au bout d'un moment, ben, l'infini, ça n'existe pas parce qu'il y a un atome ou un autre. Et entre deux, ben, c'est l'un ou l'autre. Donc, on est fini. Comment ils ont fait ? Petite astuce. Alors, c'est pour le dessin. Pour faire les plans de cette pyramide,
C'est quand même plus simple en général de faire un plan avant de faire la grandeur, puis de se planter 5 fois. C'est une espèce de quasi-égalité, c'est pour ça que je mets des petites vagues, hein, c'est parce que pas un égal. C'est 4 divisé par pi. C'est ça qui serait l'idéal de faire, parce qu'on a la notion pi dedans pour faire cette quadrature du cercle. Mais comme c'est un nombre non constructible, on va le convertir dans un nombre qui est lui aussi très spécial, mais qui lui est constructible, donc à la règle et au compas. C'est le nombre phi. Phi, c'est le nombre d'or, la proportion dorée. Et racine de phi, on arrive à le dessiner facilement. On peut dessiner le nombre d'or, on peut dessiner sa racine, et comme c'est très très proche de 4 sur pi, eh ben pour un bâtiment, on peut l'approximer et personne n'arrivera à déceler la différence. Donc voilà, c'est une approche. Donc c'est le nombre phi, un des nombres les plus importants de la géométrie sacrée. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nombre d'or? Ben, comme il dort, faut le réveiller. Phi, c'est un nombre qui est irrationnel, on ne peut pas le mettre dans une fraction simple, mais ce n'est pas un nombre qui est transcendant, c'est ça l'avantage. Donc on a une formule phi égale 1 plus racine de 5, le tout divisé par 2. Et là, on a la valeur exacte de phi. Ce qui en notation 1 virgule, une notation tout à fait inexacte, très compliquée, mais qui est la plus répandue de nos jours, ça nous donne 1,61, 80, 33, 98, 1,618. C'est un peu ce qu'il faut se souvenir. Si on voit des 1,618 ou 10 fois plus petit, 10 fois plus grand, c'est toujours intéressant parce qu'il y a quelque chose là derrière. C'est la proportion dorée. Parce qu'avant tout, on parle du nombre d'or, mais le nombre d'or, on s'en fout un peu. Il y a des gens qui apprennent encore une fois, comme pi 3,1499, comme racine de 2, 1,41,42, ben phi c'est 1,61, là c'est le nombre d'or. Et bon, bah ouais, mais le nombre d'or, c'est quoi? Donc c'est là que pour redonner du sens, il faut retrouver que c'est la proportion dorée en fait. Ça n'a rien à voir avec un nombre vraiment, c'est vraiment qu'une proportion. Donc là, on a les segments rouge et bleu, A et B. Et en fait, on a la petite formule A plus B sur A égale A sur B. Donc comme ça, c'est un peu cryptique, surtout pour les gens qui ne sont pas tout à fait à l'aise en maths. Mais en fait, c'est tout simple. C'est de te dire que le nombre d'or, c'est une proportion entre des longueurs. A sur B, donc la proportion entre A et B, elle est la même que entre le segment vert AB et A. Donc entre le tout grand segment qui fait le tout et le segment bleu qui fait que A, il y a la même proportion qu'entre A, le segment bleu, et B, le segment rouge. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, le segment rouge, ben, il fait aussi la partie de 1. Donc là, on a cette notion un peu fractale. On a un lien entre deux étages différents qui ont le même lien. Et si je bouge B, ben, ça va bouger A plus B, ce qui fait que ça change la proportion, mais ça change la proportion, ça change. Et finalement, on trouve qu'un seul nombre pour lequel cette proportion fonctionne, et c'est ce qu'on appelle le nombre d'or, la proportion dorée. Parce que c'est quand même assez particulier. Comment on le dessine? Donc phi, j'ai mis que c'est 1 plus racine de 5 sur 2, blablabla. Et là, on peut dessiner un joli carré. Pop, 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 parce que les carrés, on sait dessiner, hein, puis dès qu'on a une équerre, on a un compas, une équerre, et puis on va commencer à dessiner tout ça. On peut faire le une demi, parce que c'est une demi plus racine de 5 sur 2 aussi, hein, la formule en haut. On peut l'écrire un peu autrement. Et puis, ben là, je dessine ce 1, ce une demi, c'est la moitié du segment du carré. Je me mets au milieu, et puis je vise l'angle. Et ça me fait en fait racine de 5 sur 2. C'est la diagonale, mais c'est la moitié de la diagonale du carré. Enfin, une diagonale un peu différente, du double carré. Et si je le reporte au compas, comme ça me permet de dessiner les distances, puis de les mettre tous au même niveau, eh ben j'ai une demi plus racine de 5 sur 2 est égal à phi, le nombre d'or. Donc ici, j'ai 1, 1 qui définit vraiment ma base,
Et puis en vertical, là, puis en proportion verte, ici, ben, j'ai phi. Donc il y a une notion de nombre d'or entre ces deux proportions. Donc ça, c'est la manière la plus simple de la dessiner. Puis il se trouve qu'on utilise pas mal, et on la voit même sans la voir, toutes les cartes de crédit. Format carte de crédit, c'est le nombre d'or. C'est la Mastercard Gold, 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 l'or, le nombre d'or. Alors on voit que justement, autant un côté, la même chose que la largeur que la longueur, et du coup la diagonale, ça donne des choses intéressantes, comme les proportions qu'on peut mettre ici l'une à côté de l'autre. Donc voilà, c'est des fois plus répandu que ce qu'on croit. Et ce que je trouve intéressant après, c'est encore d'y rajouter des courbes. C'est l'équerre carré et le compas qui fait des cercles. Dans la nature, on a des droites et des courbes. Et là, en fait, on a une structure qui nous permet de faire ce rectangle d'or avec le carré, qui est une partie, et puis un arc de cercle. Donc on va mettre un arc de cercle. C'est que des arcs de cercle ici qui forment la spirale dorée. Donc chaque carré, ça fait un plus petit carré qui 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 fait à l'infini. Et chaque fois, on fait l'arc de cercle de ce carré de la diagonale à une autre diagonale. Et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, on peut voir deux objets, on peut voir la structure en ligne ou en courbe. C'est toujours féminin, masculin, le yin et le yang. Il y a une notion de dualité et on le retrouve très facilement dans la géométrie sacrée. Notre monde est aussi conçu un peu sur une notion de dualité, le jour, la nuit, le plein, le vide. Toujours ces notions-là, et ici on retrouve effectivement ça dans le nombre d'or. On a les courbes et les droites. Et ça a pas mal d'implications philosophiques. Philosophique. La philosophie, c'est justement ben, l'étude de ce phi, ce nombre d'or. Donc voilà, c'est un mode fractal, ça veut dire qu'à l'infini, on a toujours la même proportion. Donc là, j'ai mis la fougère. Mais aussi ben, cette même forme, cette spirale dorée qui grandit, qui grandit, qui grandit. Que des arcs de cercle, que c'est une structure toute simple. Mais en fait, on est dans quelque chose de vaste. On ne sait plus trop à quelle échelle on se trouve. Hein. Le mode fractal, là, la fougère, c'est plein de fougères, mais des petites fougères dans des fougères, dans des fougères, dans des fougères. Et du coup, dans la nature, on voit que c'est un principe assez simple à utiliser pour construire tout et n'importe quoi. Parce qu'il suffit d'avoir un code qui est tellement simple et de le décliner à l'infini. Donc voilà, on retrouve ben, les spirales de base, c'est les premiers êtres vivants qui émergent de la mer, qui sont dans la mer, hein, même les escargots de mer. Et puis ben, toutes les spirales des haricots, on voit qu'ils font une espèce de mouvement en spirale avec les bras pour essayer de choper là où ils vont s'accrocher. Là, on a des fougères aussi tout en haut à droite qui sont elles repliées et qui s'ouvrent. Et puis après, ben, on voit qu'il y a un certain équilibre aussi qui vient avec. On retrouve dans nos mains, dans les cornes, dans les oreilles, dans la forme de la tête des animaux, du cerveau, dans les assemblages de fleurs, et dans un peu tout en fait. Il y a ce fameux nombre d'or qui est en fait représenté sous forme de la spirale dorée qui donne un cadre. Alors, il se trouve que le nombre d'or, c'est pas si évident à construire. Mais qu'il y a une manière beaucoup plus simple de la construire, en tout cas de l'approcher. C'est la suite de Fibonacci. Fibonacci, c'est le monsieur qui est là. En fait, il ne s'appelait pas Fibonacci. C'est un pseudo. Et je trouve assez étonnant qu'il s'appelle Fibonacci, comme Phi, la lettre grecque qui représente la proportion dorée, le nombre d'or. Et c'est lui qui a défini la suite de Fibonacci, qui en tout cas l'a redécouverte, parce qu'on l'a connue depuis bien longtemps, bien avant. C'était à la Renaissance italienne. Donc, c'est quand on prend un nombre, 0 et 1. 0 plus 1, ça fait 1. Puis on reprend les deux derniers, 1 plus 1, ça fait 2. On reprend les deux, 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 5, ça fait 8. 5 plus 8, 13. 8 plus 5, 13. 8 plus 13, 21. 13 plus 21, 34. Et on progresse comme ça. Et en fait, si on fait le quotient, donc diviser les deux derniers nombres, le grand par le petit, on tombe sur 1, 1,5, 1, puis on s'approche toujours plus de 1,6178, le nombre d'or.
Dès le moment où on approche les 144 sur 89, on a le nombre d'or, la proportion dorée qui est presque exacte, qui est presque la plus proche. Et plus on avance, plus on sera exact. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est un algorithme hyper simple. J'ai juste besoin de connaître les deux précédents. Par exemple, Fibonacci a utilisé les générations de lapins, à savoir le nombre de lapins qui aurait un nombre de générations. Il suffit de. J'ai pas besoin de connaître de tout depuis le début, je connais juste les deux derniers et je peux créer le suivant. Et ça, c'est génial, c'est une des structures principales qu'on retrouve dans la nature, un peu partout. Et ça, c'est le fait que le nombre d'or est une propriété mathématique et très intéressante. On peut faire coïncider ce qu'on appelle une progression géométrique et une progression arithmétique. Donc géométrique, ce sera des multiplications et arithmétique, ce sera des additions. Donc une suite d'additions ou une suite de multiplications, et ben là, qu'on additionne ou qu'on multiplie, c'est pareil. Donc on a ici le tableau que j'ai fait avec les x. C'est pour les gens qui connaissent la numération de base, comment on représente des chiffres. X, ça peut être n'importe quoi. Mais nous, on compte en base 10. Hein, c'est comme ça qu'on a fait les chiffres à virgule, les nombres à virgule. Donc là, x puissance 0, c'est des puissances. Puissance 0, puissance 1, puissance 2, 3, 4, x au carré, x au cube. Quand c'est quelque chose puissance 0, ça fait toujours 1. L'unité, 1. Peu importe la base, on a 1. Donc là, en base 10, on mettrait 10 puissance 0, ça fait 1. Dans la colonne à côté, on met 10 puissance 1, ça fait 10. Après, on met 10 au carré, donc 10 fois 10, ça fait 100. Et puis après, on met 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Donc en fait, on a le tableau, on a 1, 10, 100, 1000, puis on continue, 10 000, 100 000, 1 million. Et la même chose dans l'autre sens, 0,1, 0,01, 0,01. Les dizaines, des unités, des centaines, les millimicrons, nanopicos, tous ces trucs-là, nous on utilise des puissances de 10. C'est comme ça, un système de puissance avec des numérotations à décalage, et bien on crée tout notre système de numération. Et là, on a un système de numération qui est très spécial, qui est peut-être universel, parce que bah, nous, on a choisi la base 10, parce que, semble-t-il, on a 10 doigts. Mais on aurait pu choisir autre chose. On a vu avant que les Sumériens ont choisi la base 60. Donc c'est 60 puissance 0, ça fait 1. 60 puissance 1, ça fait 60. 60 fois 60, ça fait 3600. Et puis, etc., etc. Donc ils comptaient un peu différemment. Donc les nombres à virgule ne veulent pas dire la même chose, parce que c'est un nombre différent. Mais avec le nombre d'or, on a un cas particulier où on fait coïncider ces multiplications et additions. Alors, le nombre d'or fois 0, ça fait 1. Mais le nombre d'or tout court, ça fait lui-même tout court. Le nombre d'or au carré, le nombre d'or au cube, ou alors l'inverse, quand c'est des puissances négatives, c'est l'inverse. Et là, on tombe en nombre à virgule. On le verra peut-être mieux parce qu'on est plus habitué à ça. C'est 1, 1,618, 2,618, parce qu'on a additionné 1 plus 1,618, ça fait 2,618. 2,618 plus 1,618, ça fait 4,236. Donc c'est le même principe que la suite de Fibonacci. J'additionne les deux derniers pour former le suivant. C'est ce que j'essaie de représenter avec mes petites flèches. C'est pas si évident à expliquer en fait. Donc c'est vrai que l'inverse du nombre d'or est égal à 0,618, mais l'inverse du nombre d'or plus 1, bah ça fait 1,618, ça fait le nombre d'or. Et c'est assez magique, parce que là on voit qu'on peut le multiplier par lui-même, ou qu'on peut additionner les deux précédents, on obtient justement une suite géométrique et une suite arithmétique. Et ça marche. Donc après, ben on voit les formules que j'ai mis en haut, ben, phi au carré égale phi plus 1. Waouh! Pour le mettre fois lui-même, on fait juste plus 1. Puis si on veut le diviser par lui-même, on le fait moins 1. Waouh! Et après, on obtient des choses un peu particulières, comme la racine de 5 qui est égale à phi plus l'inverse de phi. Donc, ces histoires de coïncidence entre une progression géométrique et une progression arithmétique, c'est important pour la suite. On va comprendre que c'est une philosophie, phi toujours, hein, qui revient assez régulièrement pour d'autres schémas mathématiques, notamment la corde à 13 nœuds, par exemple, un outil des bâtisseurs. Bien, 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 on avance. Fibonacci, le nombre phi. On le trouve aussi en phyllotaxie. La phyllotaxie, c'est comme ça qu'on appelle en fait
les constructions dans la nature. Donc là, on voit qu'on peut interpréter le nombre d'ordres de façon différente. Tout à droite, j'ai une pomme de pin, une pive. Elles ont des spirales dans un sens, des spirales dans l'autre. Les spirales, on a vu que c'était un peu essentiel dans la géométrie sacrée. Donc ces spirales, si on compte combien il y en a qui vont dans un sens et combien il y en a dans l'autre sens, on tombe quasi toujours, en tout cas à 98%, sur des nombres qui correspondent à la suite de Fibonacci. 8 et 13, on retrouve. Donc, c'est toujours comme ça, on se dit, la nature a construit, elle utilise cet algorithme. C'est vraiment assez incroyable. Il y a des gens qui ont fait ça sur des milliers et des milliers de pommes de pin, et puis ça marche toujours super bien, quoi. Après, on peut voir les choses de manière différente. On a parlé de la proportion dorée en termes de longueur sur une droite. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours cette idée dans la philosophie hermétique, dans la philosophie de la géométrie sacrée, qu'il y a une espèce de dualité entre les courbes et les droites. Donc on peut voir aussi le cercle. Le cercle, l'angle. Et on peut diviser un cercle en proportion dorée aussi. On obtient en degrés un nombre de 137,5 degrés. Et en observant ça, on voit que dans la nature, cet angle est aussi très utilisé. Notamment, c'est le meilleur angle qu'on puisse avoir pour les capteurs solaires naturels que sont les plantes. Donc il y a le petit exemple. Il semble que ça fonctionne à 80% pour les plantes. Donc c'est le 1 qui arrive, et le 2 il est 137 degrés plus loin, et le 3 il est 137 degrés plus loin. On fait les feuilles à chaque fois plus loin. Le 3 il est 137 degrés plus loin. Et on arrive en fait à un truc qui est super génial. Plutôt que d'avoir des machins qui entrent en résonance un peu, parce que c'est je fais tous les quarts, tous les demi, quand j'arrive sur les huitièmes, c'est la même chose que les quarts, je serai l'un sur l'autre. Tandis que si je fais le nombre d'or, je retombe jamais sur le même, parce que c'est un nombre irrationnel. Donc c'est une manière simple pour avoir toujours un décalage et en utilisant le même nombre tout le temps. C'est aussi peut-être ce qui explique le fait qu'en cas de tremblement de terre, il n'y a pas de résonance dans des bâtiments qui sont construits sur la base du nombre d'or. On a toujours un décalage. Jamais rien n'est constant jusqu'à l'infini. Mais on a le même nombre. C'est ça qui est magique quand même. Donc c'est la philotaxie. Ça commence par phi. Fibonacci, philotaxie et physique. La physique qui est donc la science qui essaye de nous fournir un modèle de l'univers, de ce qui nous entoure, de comprendre comment ça marche. Donc c'est principalement la science qui va étudier les astres autour, les planètes, qui va étudier notre environnement, comment ça marche, quelles sont les structures de l'univers. Et puis Newton a été très fort pour décrire la physique newtonienne, donc la physique des astres. Et puis là, on observe qu'il y a aussi des choses très particulières, que ça semble s'organiser selon le nombre d'or. Et oui, entre le Soleil et Vénus, entre la Terre et Vénus, on voit des choses dans les conjonctions, donc quand ils sont alignés, ça s'aligne sur une étoile de pentagramme ou une étoile à cinq branches. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, c'est vraiment la proportion dorée qui se retrouve là-dedans tout le temps. Et si on décide qu'on va prendre l'année vénusienne ou l'année terrestre, donc c'est le temps que la Terre met autour pour faire un tour du Soleil, donc si on divise le nombre de jours que la Terre met pour faire un tour du Soleil, 365, que l'on divise par le nombre de jours que Vénus fait pour faire un tour de la Terre, ce qui est 224 jours, on arrive à la proportion dorée. On arrive à phi. Donc on se dit, waouh ! Alors il y a aussi le mathématicien Jean-Marie Souriot, qui il y a quelques années, avait extrapolé cette règle à tout le système solaire. Il avait trouvé une corrélation intéressante. Il semble qu'en fait, s'il y a un équilibre dans les plantes, il y a aussi un équilibre dans les astres. Comment les différentes planètes s'agencent autour du Soleil, c'est aussi selon la proportion dorée. Ou selon la suite de Fibonacci. Parce qu'on voit que plus on s'éloigne du Soleil, moins ça marche. Donc il semble qu'on atteint une certaine perfection, et ça c'est aussi en rentrer dans cette philosophie, phi toujours, cette philosophie de se dire que le monde n'est pas parfait, mais perfectible. Ça veut dire que nous sommes dans la réalité, nous ne sommes pas dans le monde mathématique idéal de phi, qui est un nombre fini, phi toujours, mais que nous sommes dans dans le monde physique. Encore une fois, phi, mais le monde physique n'est pas parfait, donc on va tendre vers cet idéal, mais sans y arriver.
la suite de Fibonacci, elle tend vers l'idéal. Justement, plus on avance vers les grands nombres, plus on va arriver vers le nombre d'or le plus précis. Mais au début, c'est 1, 0, 1. On n'est pas du tout à un 618, 1, 1. Et puis 1 divisé par 1, ça fait 1. Puis après 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Puis, voilà. Puis on approche, puis on arrive assez facilement vers cette proportion idéale. Donc voilà, on retrouve plein de choses dans les astres, dans les planètes, dans la physique. Mais on retrouve aussi beaucoup de choses dans le corps humain. Et ça, c'est aussi assez incroyable. Donc on retrouve l'homme de Vitruve de Leonardo da Vinci. Et cet homme de Vitruve, ben, on observe les proportions des bras, des mains. Hein, on voit que le nombre d'or, la proportion dorée se retrouve aussi. Quelle est la section du poignet par rapport au coude? Ben, c'est le nombre d'or. Mais ensuite, le coude par rapport au bras en entier, par rapport à tout ça, eh ben, on arrive à quelque chose qui devient franchement hallucinant. Notre corps humain, semble-t-il, ben, aussi construit. Alors j'ai essayé de faire, parce que il y a aussi un petit dessin animé de Walt Disney, qui était aussi quelqu'un de très intéressant, un initié certainement à toute cette géométrie sacrée, à beaucoup de choses. Walt Disney, il a beaucoup dessiné des choses, et il a fait des dessins animés avec justement l'explication de les proportions dorées, du nombre d'or. On les retrouve sur YouTube, hein. Donald et les nombres, quelque chose comme ça. Et voilà, alors j'ai essayé sur ce corps humain, sur cette femme, et c'est toujours assez difficile, hein, parce que là on arrive... Certains disent que c'est le nombril, mais d'autres disent que ben, là, j'arrive plutôt sur la taille, de tomber sur les proportions. Donc c'est toujours ce carré, d'essayer de voir les proportions du nombre d'or là-dedans. Et puis ben, on voit qu'on tombe quand même toujours sur les points clés de notre anatomie, des lignes, le nombril, la taille, l'entrejambe, la poitrine, les omoplates et... Le visage aussi, le visage est vraiment très ancré. Donc, il y a quelque chose. Mais comme toujours, les détracteurs disent toujours « Mais ça marche pas ton truc ». Mais en fait, on voit quand même que ça marche, sauf qu'on tend vers un idéal. C'est aussi, par exemple, les enfants à la naissance font une coudée royale le long, 0,5236. Et là, ben, en fait, on n'y est pas parfait. On n'est jamais vraiment exactement. Mais on tend vers cet idéal. Tout comme on est vers... en kilos, c'est le poids d'un enfant, 3,14 kg. Mais on arrive vers les 3 kilos, on n'est jamais vraiment exact, mais on tend vers cet idéal. Et si on va au cœur de notre corps, si on descend encore beaucoup plus profondément, on a l'ADN. Et l'ADN, ben on a observé qu'elle fait entre deux tours d'un brin 34 angstroms de long, et elle fait une largeur de 21 angstroms de large. Et il se trouve que c'est les nombres de la suite de Fibonacci. Donc c'est génial, on arrive à retrouver les mêmes choses, les mêmes proportions à ces échelles-là. Et puis après on a les bases, les différentes bases qui sont utilisées, donc ACGT, les différents acides aminés et autres protéines, je ne sais plus exactement, qui fabriquent cette histoire de l'ADN, en fait, qui se mettent ensemble pour faire notre génome. Ben, sur 89 bases de ces trucs-là, on trouve 34 bases de T, et 55 bases de C, A ou G. Donc je trouve ça assez incroyable, c'est qu'on retrouve toujours ce même genre de proportions dans les mêmes trucs un peu partout là autour, et on est ben, à toutes les échelles, donc on les échelles des galaxies, aux échelles du corps humain, on retrouve toujours... Alors là, il y a encore une petite erreur, c'est que cette image que j'ai trouvée de l'emoji d'ADN, il est faux. Parce que en fait, l'ADN est encore décalé, les deux brins rose et vert devraient être accolés un peu à eux, puis avoir un espace entre eux. Mais en fait, on observe que ce décalage, il est aussi en proportion dorée. Donc là, on a vraiment la proportion dorée dans tous les sens, et c'est vraiment ce qui définit complètement notre géométrie, la géométrie sacrée, ben là, elle crée des êtres humains. On est complètement intégré dans cet univers. Donc forcément, les architectes qui ont voulu faire des choses qui soient liées à ces proportions-là pour qu'on puisse vivre là-dedans. Et encore plus fou, j'ai découvert ces dernières années qu'il y a pas mal de choses dans les calendriers. Donc j'ai voulu définir un calendrier avec toutes les fêtes. Donc ça, c'est dans mes recherches sur les fêtes celtes. Donc on retrouve toujours les grands événements annuels qui rythment l'année avec les solstices et équinoxes. Le moment où le soleil s'arrête et repart dans l'autre sens. Ces moments qui rythment l'année. Et ici, on voit que ça fait une belle croix.
Et si on décale la croix de 40 jours, on tombe sur Imbolc, Beltane, Lugnasad, Samhain, qui sont les grandes fêtes celtes, les principales. Et ça, ben, c'est déjà intéressant. Mais en plus, on retrouve que notamment, par exemple, la Saint-Valentin, ici, elle se trouve à la proportion dorée entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Il y a 55 jours depuis le solstice d'hiver jusqu'à la Saint-Valentin, et il reste 34 jours jusqu'à l'équinoxe de printemps. Donc on a fait aussi sur un cercle, comme j'ai montré avant, on pouvait faire le cercle de l'année, et qui nous montre que, ben ouais, il doit y avoir un truc ici avec cette histoire. Donc on fait la Saint-Valentin à ce moment-là, et à l'opposé, c'est un peu plus flou, mais on arrive aussi à trouver une fête. Donc la Saint-Valentin, c'était les Lupercales romaines. C'est un pape qui a décidé qu'il fallait changer de nom. Les Lupercales romaines, bof, bof. Faut christianiser ça un peu plus. Donc on va faire un Saint-Valentin. Donc c'est une fête païenne qui est beaucoup plus vieille que ça. Et puis, c'était les fêtes un peu de fertilité. C'est la femme fertile. Et puis après, on a la femme qui est plutôt la mère. Parce que c'est la Vierge Marie, et c'est l'Assomption. L'histoire du 15 août. Et ça, c'est intéressant. Alors là, j'ai des runes aussi, j'ai repris cette image parce que je cherche des liens avec un calendrier qui serait, dont les runes en fait représentent des constellations, et puis qu'on peut les voir à différents moments et que ça rassemble. Et tout ce qui est décrit par là-dessus, ça a tellement de sens. On reconnaît que voilà, il y a la date de Pâques, on voit la croix où Jésus est crucifié. Donc on se dit, ouais, c'est vachement symbolique tout ça, mais d'où ça vient? Est-ce que c'était avant, après? Waouh! Il y a plein de choses, et ça, on y reviendra peut-être une autre fois. J'ai aussi une page qui explique ça sur mon site, si tu cherches bien. Donc ici, maintenant, on va revoir un peu les bases. On a déjà vu qu'il y avait des diagonales qui sont intéressantes. Et ici, j'ai ce que j'appelle la genèse, un peu, parce que tu as le ciel et la terre qui se sont séparés. Pas la quadrature du cercle, tu avais les deux. C'est les formes de base, c'est la courbe, et le C, c'est vraiment le C de la courbe, la C. Puis on a terre, terre c'est un angle droit, le T. Et ce T d'angle droit, ben on le retrouve dans le carré. Et les choses terrestres, la terre, c'est souvent représenté sous forme de l'astre froid du carré. C'est vraiment l'histoire des notions de la terre, c'est le carré. Et les humains ont tendance à faire des choses carrées, alors que tout ce qui est naturel, les cycles, ben c'est des choses qui ont... Les nomades, anciennement, avant que l'humain se sédentarise, vivaient selon des rythmes cycliques, et selon des rythmes qui sont plus liés au ciel. C'est l'astronomie, c'est des... Ben, comme la roue de l'année qu'on vient de voir, mais aussi, ben, ils ont des maisons qui sont rondes. C'est assez impressionnant, c'est des igloos, des tipis, des maisons rondes qu'on voit un peu partout. Alors que en fait, les yourtes, hein, les humains qui se sédentarisent, ont tendance à faire des carrés. Des cubes. C'est très étonnant. Mais ça dépend aussi, c'est toute une philosophie qui va avec, et qui change au moment de la sédentarité de l'agriculture, du moment où on veut prendre main sur son destin. Donc à partir de ce carré, le ciel c'est naturel, c'est la voûte céleste qui tourne, c'est la lune, le soleil qui sont des grands cercles dans le ciel, qui tournent. Et à partir du carré, on va commencer à générer. C'est pour ça que je parle de genèse. On peut générer plein de choses. C'est la géométrie, ça crée. Donc on va créer des choses en cascade. Donc à partir des diagonales, parce que c'est vraiment les diagonales qui sont importantes dans cette philosophie. Il faut comprendre les bâtisseurs mégalithiques, si on veut les comprendre, il faut comprendre les diagonales. Il ne faut pas avoir notre mode de pensée avec des chiffres, virgule, mais plutôt de la géométrie des diagonales. Donc ici, on a déjà vu que le racine de 2, ça vient de la diagonale du carré. Puis si on la reporte, ben on crée un nouveau rectangle qui lui est racine de 3 pour diagonale. Puis après on a racine de 4, ce qui fait 2 pour une diagonale. Puis ensuite, pof, on tombe sur un double carré. Donc à partir de 1, on a créé 2. C'est aussi, ben justement, ça crée, on génère, on double. On arrive à faire des choses. Et ce double carré, il est impressionnant. On le retrouve partout et c'est vraiment un point important. On le reverra plus tard dans la chambre haute d'une grande pyramide, dans des mégalithes beaucoup plus anciennes. C'est vraiment un point très important. Le double carré, c'est vraiment ce qui ouvre au nombre d'or. Parce qu'en fait, on peut dessiner le nombre d'or parce qu'on a la notion de racine de 5. C'est la diagonale, c'est racine de 5. Et racine de 5, on a vu que racine de 5 sur 2 plus une demi, c'est le nombre d'or.
Donc il suffit de prendre cette racine de 5, de prendre la moitié, de rajouter une demi de ce carré, et on a fait la longueur qui correspond au nombre d'or. Donc c'est génial. On verra que en plus grand tout après, parce que ça génère énormément de choses. Ici, j'ai aussi mis sur le côté la notion justement que chez les bâtisseurs, ils n'ont pas des angles. Comme on voit chez les Sumériens, ils utilisaient une autre forme de géométrie. Nous, on a l'habitude de ces angles en degrés, qui sont un peu compliqués. Et puis d'utiliser des tables de trigonométrie pour s'y retrouver avec des sinus, cosinus. Et là, en fait, eux, ils utilisaient beaucoup des carrés, des doubles carrés, des tricarrés, des quadricarrés, des pentuples carrés. Et même pour les additionner, le doubler, ben, on voit que là, doubler un angle, il suffit de mettre à coller un tricarré avec un autre tricarré, et pouf, on double l'angle. Donc ça, c'est aussi, on retrouve des relations de mégalithes. Chez Howard Crowhurst et Quentin Leplat, on retrouve beaucoup de choses qu'ils ont fait comme ça. Il y a toujours des gens, des détracteurs qui disent « Non, mais c'est un peu, on peut tout trouver, tout n'importe quoi », mais on a quand même un set d'angles très particulier. Mais statistiquement, Quentin Leplat a fait vraiment un travail qui montre que statistiquement, il y a quand même pas tant de ces possibilités, que la probabilité que ce soit fait vraiment à dessein est beaucoup plus grande que ce que ce soit juste du hasard et de vouloir te retrouver avec des carrés pour faire des diagonales de carrés. Donc ça, c'est vraiment la philosophie des anciens et de construire de cette manière-là. Donc si on reprend notre double carré, maintenant on arrive sur quoi ? On peut construire ce qu'on appelle le triangle de Kepler. Donc ici, j'ai fait mon double carré, je me suis amusé avec le logiciel GeoGebra, si tu avais envie de refaire, mais fais-le à la main, parce que la main, tu comprends mieux, tu fais une énergie qui va avec, tu comprends que c'est déjà vachement compliqué d'arriver au compas, que ce soit juste. Donc ici, j'ai fait un double carré, en plus j'ai pris la moitié, et j'ai réussi là à reporter la moitié de ma diagonale en rouge, qui est racine de 5 sur 2, que je rajoute, pouf. Et je crée avec ça un point qui est en dehors de mon double carré, qui me permet de créer un grand triangle de 1 en bas, ma base, de phi, ma proportion dorée là-dessus, et ça me génère la racine de phi. Et racine de phi, on a dit que c'était important, parce que ça permet de remplacer pi, le 4 sur pi égale racine de phi, en bonne approximation. Et c'est ce qu'on appelle le triangle de Kepler. Kepler, qui était très connu, un astronome, c'est lui qui a inventé la loi des airs, qui nous permet de savoir comment fonctionnent les astres qui tournent autour du Soleil. Il a en fait été très inspiré par le nombre d'or, ce qu'on ne dit jamais dans les cours de physique non plus. Et dans sa loi des airs, en fait, elle est issue de son étude de Vénus, qu'on a vu tout à l'heure, de ses proportions, de ses choses étranges, basées sur le nombre d'or entre l'année vénusienne, les conjonctions qui entre Vénus, le Soleil et la Terre. Et puis ce monsieur, ben, il a découvert des choses intéressantes, il a généralisé sa loi, et ça donnait la loi des airs qui nous permet de voir avec des ellipses comment se déplacent les corps, les comètes, tout ça quand ils sont en orbite. Et ce fameux triangle de Kepler, c'est le seul triangle rectangle dont les longueurs de côté suivent une progression géométrique. J'ai déjà parlé de progression géométrique, progression arithmétique, on y retrouve toujours. Là on a une progression géométrique, donc des multiplications. 1 phi, racine de phi. On a déjà vu ça avant, hein. C'est une proportion qui est entre les deux, qui est entre tout. On fait racine de phi, phi et tout ça, on fait toujours fois phi. Et puis on a un truc comme ça, on arrive à retomber dessus. C'est phi qui est la raison, on dit en fait, la progression géométrique. Une fois phi, ça fait phi, phi fois phi, voilà. C'est incroyable parce que, en fait, ce profil de ce triangle, on le voit, il est très connu, il est très photographié, mais peu de gens le savent. Ce profil, c'est celui de la grande pyramide de Gizeh, la pyramide dite de Khéops, même si personnellement j'ai quand même quelques doutes que Khéops en soit le bâtisseur. Probablement que c'était un rénovateur, parce qu'il y a un peu des incohérences quand même, et il y a quand même chez les égyptologues plusieurs, comme la stèle de l'inventaire, qui nous dit que Khéops a construit son tombeau à côté du temple d'Isis. Le temple d'Isis, c'était probablement la grande pyramide. Il n'avait pas dit que c'était ça, mais voilà, on n'a jamais retrouvé sa momie. On a retrouvé une mini-statue et une autre mini-statue à 500 km, donc deux mini-statues de 2 cm que j'ai vues au musée du Caire. Donc en fait, c'est un peu étrange. Probablement qu'il a dû rénover, comme on rénove beaucoup de bâtiments. Et ben voilà. Et là, ben, moi j'ai dit que c'est la grande pyramide de Gizeh. Bon. Et on voit ce profil qui est assez magnifique, assez
géométrique, d'une géométrie sacrée incroyable. Donc là, ben voilà, ça vaut la peine de le savoir. Quand tu veux dessiner cette pyramide, c'est pas n'importe quelle pyramide, c'en est une et une très particulière qui justement permet de résoudre la quadrature du cercle. Alors là, il y a plein de cercles, plein de choses. On a de nouveau le même triangle au milieu que j'ai dessiné. Et puis il est inscrit, c'est un double carré. J'avais dit que c'était le double carré, mais c'est un 4 carrés pour faire un plus grand carré. Puis avec un cercle qui est inscrit, donc il est à l'intérieur en bleu, et un cercle qui est circonscrit, qui est en rouge, qui passe par les angles de ce carré. Donc c'est vraiment toujours ces liens de dualité entre le cercle la droite et la courbe. Et puis ensuite, il y en a un qui est un peu une moyenne entre tout ça. Et ça, c'est la quadrature du cercle. C'est justement ce qu'on cherche avec cette racine de phi. On arrive à dessiner ce cercle qui est le cercle le plus proche, qui a une aire, donc une surface la plus proche du carré qui est en noir. Donc le cercle en vert et le carré en noir ont pratiquement exactement la même surface. Sauf qu'on n'a pas utilisé pi pour construire, mais on a utilisé le nombre d'or, la racine du nombre d'or. Donc si on fait le calcul ici, en dessous, je précise qu'on arrive à une surface de 7,9923 au lieu de tomber sur 8. Mais si on avait pris 4 sur pi, ben on tomberait sur 8. Donc ça c'est pour la façon exacte. Sauf que la façon exacte, on ne peut pas la dessiner avec un compas et une règle. Ou avec GeoGebra, comme je l'ai fait avec ce petit logiciel. Donc voilà, ben on trouve que ce profil de la Grande Pyramide, c'est le profil qui nous permet de résoudre la quadrature du cercle. Ou en tout cas de la résoudre de manière physique. Parce que dans la théorie, là, on a une approximation, mais après, quand on le construit, on ne verra pas la différence entre les deux, tellement l'échelle est gigantesque et que c'est une construction juste incroyable. Donc, est-ce que c'est fait à dessein ou pas? Il y a des gens qui en doutent, qui disent que c'est fait au hasard. Moi, je dis que pour tomber dessus, là-dessus, au hasard, c'est quand même un sacré coup de bol. Et quand on voit la philosophie des anciens, je me dis, non, non, c'est pas du hasard. Alors, on trouve ce triangle de Kepler un peu partout. Donc, racine de phi, c'est aussi 1,27323,39. Voilà. Et ici, on trouve en fait dans les relations aussi entre la Terre et la Lune. Ça, c'est assez incroyable. Entre la Terre et la Lune, le diamètre de la Terre, le diamètre de la Lune, si on les additionne, si on retombe sur le triangle de Kepler, donc c'est l'image. Mais après, si on les met aussi ensemble, 0,273 fois le rayon de la Terre, donc 27,3%, on pourrait dire ça aussi en pourcent, c'est le rayon de la Lune. Donc la Terre, la Lune est 27,3% fois la Lune. La Lune est 27,3% la Terre. Et c'est assez incroyable parce qu'en fait, la Lune a un mois sidéral. Donc le mois sidéral, c'est... Il y a plusieurs sortes de mois, hein. C'est un peu compliqué. Quand on s'intéresse au calendrier, on voit que c'est pas si simple. Donc c'est 27,3 jours pour le mois lunaire sidéral. Sidéral, ça veut dire que c'est quand la Lune a fait le tour, elle revient au même endroit. Le problème, c'est que la Terre s'est déplacée en même temps. Donc on a le mois synodal après, qui est un petit peu plus long, qui fait 29,5 jours. Parce que, comme la Terre se déplace, si on veut voir d'une phase, d'une pleine Lune à une autre pleine Lune, la même phase, synodal, synode, ça veut dire la rencontre, ça veut dire la même phase, et bien à ce moment-là, on a besoin d'un petit peu plus. Donc on a 29 et demi, c'est pour ça qu'on parle de mois à 30 jours souvent, ou de mois à 28 jours, qui permet de faire le mois lunaire sidéral. Et si on fait 10 mois lunaires sidéraux, c'est dur à savoir ça, parce que on le voit avec nos yeux d'une phase de l'une à l'autre, mais le mois sidéral, on ne le voit pas. Donc ça ne vient pas tout de suite en tête, mais en fait, si on en fait 10, ça fait 273 jours, et c'est la durée d'une grossesse. Ça marche assez bien. C'est aussi une approximation. C'est un truc. C'est l'ordre de grandeur qui compte. Ça marche pour certaines personnes. Ça marche pas pour d'autres. Puis après, des fois on provoque, puis des fois pas. Et après, j'ai décidé, pour le mois sidéral, hein, sidéré, de continuer. On peut aussi voir une relation avec ce moins 273,15. C'est le zéro absolu. C'est la température la plus froide qu'on puisse avoir. C'est le niveau d'agitation des molécules les plus arrêtées qu'on puisse faire. Si on veut figer complètement. Ben, on descend à moins 273,15 degrés Celsius. Ces degrés Celsius sont liés à l'eau. Un degré, c'est vraiment les 100 degrés, c'est l'eau quand elle est gelée ou quand elle est en fusion, quand elle s'état de l'eau. Donc les 100 degrés, c'est quand l'eau est liquide. Et je pense qu'il y a un truc avec la structure de l'eau qui doit être lié à ça.
Parce qu'après, on a aussi le degré Kelvin, quelle est la température moyenne de l'univers? Ben, c'est 2,73 degrés Kelvin. Degré Kelvin, il y a une échelle qui est décalée de moins de 273 degrés, mais c'est aussi le même espace. 1 degré Kelvin égale 1 degré Celsius. Alors voilà, ça c'est juste impressionnant. C'est quelque chose qui est un peu perturbant. Je dois trouver d'où ça vient et quelles sont les structures qui génèrent ça. Après, j'ai encore découvert qu'à la surface du Soleil, il y a ça aussi. On a le G, 9,81, qu'on a l'habitude pour calculer la force de pesanteur, enfin, l'accélération de la gravité à la surface de la Terre, qui nous fait qu'on a un poids à partir de notre masse. Ben, c'est 273,95 mètres par seconde au carré. C'est la gravité, la même chose, le G, sur la surface du Soleil. Et on voit qu'on est un peu plus lourd sur le Soleil, hein. Mais le Soleil tourne aussi sur lui-même en 27,3 jours. Alors le Soleil, il est un peu plus, il est pas très solide, hein, donc il y a des différences suivant la latitude où on se trouve, parce que ça ne tourne pas à la même vitesse. Il se trouve que la moyenne, c'est 27,3 jours. Donc c'est juste impressionnant, on retrouve toujours ce 27,3, 1, 27,3, 27,3%, 27. C'est toujours des variantes, mais on les retrouve. Donc là, on a aussi sur le calendrier, on retrouve 273 jours. C'est le trois quarts de l'année terrestre, de l'équinoxe du printemps au solstice d'été. Donc on a vu tout à l'heure les calendriers là. Ben, c'est ce qu'on a depuis l'équinoxe de printemps à gauche. Et on fait tout le tour de l'année, on a trois quarts de l'année. Et tombe là-dessus. Donc ça c'est aussi assez incroyable. Et pour rester dans la Lune et le Soleil, c'est que la Lune elle est vachement bien positionnée face au Soleil. Tout ce qu'il faut pour faire des éclipses, parce qu'il se trouve que le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune, mais il est aussi 400 fois plus loin. Donc on le voit 400 fois plus petit. Et comme ça ils ont le même diamètre apparent. Et ils nous font des magnifiques éclipses. Donc ça c'est aussi incroyable pour y arriver. Ça questionne, hein, franchement. Il y a des chiffres qu'on voit toujours, le 4, 4 fois plus gros que la Lune. On y reviendra dans la vidéo sur le mètre. Il y a le 4, il revient souvent. Le 4, la base 10, le racine de phi, qui est au fait, en fait racine de phi égale 4 sur pi. Donc on retrouve le 4, 4 sur pi. Pi, 4 et 10, c'est des nombres qu'on retrouve partout. Donc je vous en disais depuis le tout début, je disais la grande, on va retrouver un peu nos amis du double carré. Ici c'est la salle. La chambre haute de la grande pyramide de Gizeh. Et cette pièce vide, comme disait mon guide, ben elle n'est pas si vide que ça, parce qu'elle est pleine de géométrie. Alors c'est vrai qu'elle est assez vide à voir, mais elle est déjà super lisse, on se demande comment ils ont fait ça en granit. Et dans la géométrie du truc, donc là j'ai dessiné toute la géométrie, donc à partir d'un double carré, on génère tout ça, 20 coudées de long sur 10 coudées de large. Et puis après, on commence à construire. Et puis, ben, on a un volume qui se révèle comme ça. Et donc, on a 10 coudées, 20 coudées, 15 coudées, 25 coudées. C'est des nombres ronds, en fait. Et on arrive même à faire une gamme musicale avec tous ces nombres quand on les met ensemble. Donc, c'est des nombres qui sont assez pratiques. Et ici, on trouve aussi qu'on a la racine de 5 sur 2 qui est représentée dans le sol. Et si on relève ce racine de 5 sur 2, on a la hauteur de cette espèce de parallélépipède qui représente notre chambre haute. Donc on a 11,18 coudées. Donc la coudée, c'est 52,36 cm. Donc on a presque 5 mètres de haut sur une dizaine de mètres de long, 5 mètres et quelques de large. Donc c'est ça que ça représente. Et on peut voir en fait aussi que ça nous fait un 20 coudées, 15 coudées, 25 coudées, c'est aussi un triangle rectangle. Ça, on verra par la suite que c'est aussi important. Le triangle rectangle, le triangle de Pythagore, comme on dit. Sauf que c'était bien avant Pythagore qu'il est là. Donc ça, c'est vraiment passionnant et très intéressant de voir cette géométrie. C'est juste une chambre parfaite. Et tout ça, c'est fait au millimètre. C'est fait justement avec des coudées. Puis on essaie à partir de ça de déterminer la taille de la coudée parce que le granit, ça ne bouge pas. Sur les millénaires, ça se dilate pas, ça bouge pas, ça reste la même taille. C'est tellement solide que tu l'entames pas facilement, ça se dégrade pas. Puis là, elle est au cœur d'une pyramide, donc il reste très très stable. Et on essaie à partir de ça de déterminer quelle est la coudée royale égyptienne. Alors, vu la grande stabilité du granit dans la chambre haute, il y a plein de gens qui essayent de déterminer quelle est la valeur exacte de la coudée royale égyptienne.
Sachant qu'on a des valeurs rondes ici de coudées, forcément, on devrait pouvoir trouver, ben, si on mesure ça en mètres maintenant, combien est-ce que la coudée est faite. Et on arrive à trouver des valeurs très précises au millimètre près. Mais après, on voit que la définition de la coudée, si on veut faire une définition mathématique, et on a toujours un peu espèce de dualité masculin-féminin, deux variantes. On y reviendra tout à l'heure. Mais alors déjà ici, on peut voir, si on regarde le fameux double carré qui fait le sol, il fait 10 coudées fois 20 coudées. Si on le prend à ce que j'ai représenté ici en bleu, on enlève un des côtés, donc on prend l'équivalent de 50 coudées, on obtient 26,18 mètres, ce qui fait... Eh ben, 10 phi carré en mètres, donc 10 fois le nombre d'or au carré en mètres. Donc ça fait 2,5, 2,618. Et là, on l'a, eh ben, 10 fois. Et en mètres. Donc ici, c'est ce que je précisais au tout début. Il y a la proportion et il y a l'échelle, la taille. On a une grandeur ici, ben, c'est ce que je représente sur mon écran, mais ce n'est pas la taille réelle, mais la proportion est de toute façon la même. Mais ensuite, pour faire cette proportion à une taille donnée, pour qu'en mètres, ça révèle quelque chose, ce n'est possible qu'avec cette taille. Donc c'est là où il y a plein de gens qui trouvent ça tout d'un coup. Waouh, c'est magique, c'est magnifique, c'est incroyable. C'est la seule taille possible de cette pièce qui peut être faite pour qu'elle exprime justement ce 10 fois le nombre d'or au carré en mètres. Mais si on prend le périmètre complet de ce double carré, on a 10 fois pi en mètres. Donc 31 mètres 419, donc c'est 3,1415926. Là, on voit que, à pas grand-chose près, on a le bon périmètre. Donc ça se joue à 3 fois rien, et c'est ça qui... Il y a plein de théories qui disent qu'effectivement c'est ça qui a été voulu pour pouvoir exprimer pi en mètres. Alors, on voit que dans toutes ces histoires, il y a toujours un lien entre pi, phi et le mètre. Mais à savoir si c'est voulu, à savoir si c'est vraiment... Enfin, c'est compliqué à expliquer parce que c'est quelque chose... C'est le seul bâtiment possible au monde qui puisse montrer ça. Un truc incroyable. C'est vraiment quelque chose. C'est la seule taille, c'est la seule pyramide qu'on aurait pu construire comme ça, parmi les milliers de possibilités qu'on puisse faire. Mais après, à savoir qu'est-ce qui a voulu être montré, là, on est dans l'intention du bâtisseur et c'est difficile. Mais on sait qu'en tout cas, c'est un fait que c'est le seul bâtiment au monde, en fait, dans lequel on retrouve ça. Et puis dans lequel on retrouve cette précision comme ça. Et quand on pointe avec des lasers, on est vraiment à 3 fois rien près. Mais ici, alors qu'est-ce que vaut la coulée royale égyptienne? Donc on peut observer que c'est 2 fois le nombre d'or au carré divisé par 10. On a en mètres 0,52,36,606. Et ça, c'est une valeur tout à fait acceptable. Alors les égyptologues, souvent, ils retrouvent des petits bouts de bâton, puis ils disent, alors c'est entre 52 et 53 centimètres. Mais en fait, on est beaucoup plus précis que ça. Et avec cette chambre haute, la grande pyramide, on peut déterminer vraiment quelque chose de très précis. Mais moi, je vois toujours deux versions. Par exemple, là, j'ai mis le volume de la sphère. C'est une grandeur qu'on trouve partout. Si on inscrit une sphère à l'intérieur d'un cube, un cube de 1 de côté, hein, toujours en proportion, là, on a 0, 52, 35, 98, 7, 7, donc presque 0, 52, 36, c'est presque la même chose que ce nombre de la coudée royale égyptienne, mais là, on l'a en volume, et on l'a à partir de cercles. Alors, il y a toujours quelque chose à partir de droite ou à partir de cercles. On y reviendra plus tard, je montrerai un peu ce que je pense de la coudée royale égyptienne. Mais ici, ben, l'idée, c'était de voir qu'à partir de cette chambre, on peut déterminer assez précisément une coudée royale égyptienne, beaucoup plus qu'avec la largeur de la Grande Pyramide, par exemple, où il y a déjà plein de blocs de calcaire, où c'est que le parement a disparu, où on sait qu'il y a un peu de marge,
parce que le calcaire s'est un peu dissous, parce qu'il s'est décomposé, puis de savoir depuis où c'est pris, c'est un peu compliqué. Tandis que là, dans cette chambre, c'est vraiment un truc de super précis, au millimètre près en tout cas. Donc voilà, on a quelque chose qui devrait être beaucoup plus riche que ce que mon guide me disait. Hein. Quand on dit il n'y a rien dans cette pièce, ben si, quand même. Mais il faut savoir le voir. Ok, alors maintenant, cette pièce, cette grande pyramide, elle est là en profil et on voit où se trouve cette pièce, où se trouve cette chambre haute, dite chambre du roi souvent. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on reprend notre fameux triangle de Kepler, donc l'apothème, la partie de l'arête de la pyramide, l'escalier, ça fait phi. En bas, la moitié de la largeur, ça fait 1. Et puis du coup, on a racine de phi en hauteur dans le dessin. Ce qui était probablement, comme j'ai expliqué, pour montrer la hauteur de 4 sur pi, mais comme ce n'est pas un nombre constructible, on le fait avec phi, avec le nombre d'or. Et puis donc, on a un rectangle doré qui se crée comme ça, qu'on peut coller sur ce nombre d'or aussi. Et ici, on observe un truc assez intéressant. Un rectangle d'or, il est toujours fait à partir d'un carré. Et si on fait la diagonale du carré qui le construit et la diagonale du nombre du rectangle doré, on obtient un croisement qui se trouve être exactement là où se trouve la chambre haute de la grande pyramide. Donc ça, je trouve ça assez incroyable. Donc ça pourrait être une explication assez plausible. On a encore un lien, t'as le triangle où il y a le nombre d'or. Là, on a un rectangle d'or qui permet de fixer la suite. Et puis ici, tout en bas à gauche, j'ai précisé que l'aire du niveau de la chambre haute, donc la surface, si on coupait cette pyramide à la hauteur de la chambre haute, à 3 fois rien près, donc 0,01%, on a la moitié de l'aire, la surface de la base de la pyramide. Donc ça, c'est une propriété qui est tout à fait intéressante aussi pour la hauteur. Donc on voit deux manières différentes qui nous font dire que voilà pourquoi cette chambre se trouve à cet endroit-là. Et apparemment, ça a l'air d'être assez bien coordonné. Je ne sais pas s'il doit y avoir un lien qui est forcément mathématique entre eux. Dès le moment où on joue avec le nombre d'or, il y a toujours énormément de trucs qui sont assez intéressants, qui en découlent de là. Alors, il y a des gens qui cherchent des relations dans tous les sens, hein. Comme précédemment, bah là, voilà, on peut trouver phi carré en mètres ou 10 fois pi en mètres. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut faire relier une proportion et une taille, et c'est pour ça que je le montre, c'est parce que là, en général, on fait soit l'un, soit l'autre. Là, les gens ont réussi à faire les deux en même temps. Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire dans cette pièce, dans cette construction en général. Mais après, à faire des relations dans tous les sens pour essayer de montrer les 720 relations que j'ai trouvées, comme je vois certaines vidéos des fois, à mon avis, ça sert à rien. Parce qu'une fois qu'on a une structure qui est faite avec le nombre d'or, ben, tout est possible dans tous les sens, on peut le retourner, on peut le déplier. C'est une propriété naturelle du nombre d'or que de représenter tout ça. Alors après, il y a l'autre extrême, des gens qui, eux, ne croient absolument pas et disent c'est du hasard, le nombre d'or là-dedans, et puis que ça montre pi, c'est aussi du hasard. Ça fait beaucoup de hasard. Non, c'est justement une des propriétés du nombre d'or. Mais il y a une volonté de faire apparaître des proportions particulières à une taille particulière, très certainement. Et après, eh ben, il y a plein de. On peut le prendre sous différents angles parce que ça joue dans tous les sens. On verra aussi après que ça sert d'unité de mesure, d'un système qui est très utilisé, notamment ben, pour construire les cathédrales. Il y avait la pige des bâtisseurs de cathédrales. Et une autre propriété intéressante ici que j'ai entendu parler, c'était l'histoire en fait que. Et on a les fameuses pyramides dites de Khéops, Khéphren et Mykérinos. Les trois principales, les trois plus grandes qui sont sur le plateau de Gizeh. Et c'est très intéressant de les mettre côte à côte sous forme d'un triangle, parce que tout d'un coup, on observe, ben, c'est un peu la démonstration du triangle de Pythagore. Bien avant Pythagore. On le représente souvent comme ça, parce que c'est les carrés des côtés. Alors les carrés, ben, c'est bien ce que ça veut dire, c'est des carrés, donc c'est des surfaces. Puis on voit que ces surfaces, ben, si on fait
Le carré de chaque côté, donc le bleu et le vert, on obtient au carré. Et bien justement, on obtient aussi, c'est A au carré plus B au carré égale C au carré, donc l'hypoténuse. On obtient un triangle de Ptahorus. J'ai vu ça quelque part, ça reste à montrer. Ptahorus, ce serait ce qui a donné Pythagoras, ce qui a donné Pythagore. Alors peut-être que c'est une piste, ce serait à vérifier. Enfin, je trouvais intéressant que sur ces alignements en tout genre, il y a mille manières de les arranger. Et la manière d'arranger tout ça, la mieux que j'ai vue, la plus intéressante, c'est de se dire que finalement, ces pyramides représentent un planétarium. Donc voilà, il y a souvent le sentier des planètes. Alors on a le Soleil, et puis sur les 100 premiers mètres, on peut aller voir Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Et après, pour Jupiter, il faut commencer à marcher un peu plus. Puis ensuite, on a un trajet de 10 km sous lequel on va voir Uranus, Neptune et Pluton, pour ceux qui... Enfin, ça dépend si on catégorise ça comme étant une planète ou pas. Elle a perdu son statut de planète. C'est une fausse planète maintenant. Ça a eu été une planète, mais ça l'est plus. Parce qu'il y a d'autres planétoïdes à la même distance, donc on s'est dit que ça valait pas la peine parce qu'elle était trop différente. Il y a Makemake, par exemple, dont on parle jamais, mais il aurait autant un statut de planète que Pluton. Enfin bref, donc ici, donc j'ai repris un petit film de Fred qui montre justement la corrélation qu'on peut faire entre ces différentes pyramides qu'on trouve sur le plateau de Gizeh. Donc là, j'essaie d'en mettre ce que je pouvais afficher là. Lui, il appelle ça le planétarium de Memphis. Donc on a Mercure, Vénus, la Terre, et puis Jupiter au loin. Et puis avec les noms qui sont là mis en égyptien, hein, Geb avec un G, c'est intéressant aussi. Hein. Le G, on le retrouvait avec le fameux God ou G ou Gaïa ou gravité, qui sont des hypothèses qui pourraient être plausibles pour expliquer le G dans le symbole des francs-maçons, avec l'équerre et le compas. Alors ici, il se trouve que on a un planétarium parce que on trace depuis un point touristique avec un petit promontoire sur le plateau qui pourrait symboliser le Soleil, ce qui marche assez bien quand on fait les orbites. Il y a deux endroits particuliers et ça, c'est ce qui semble être le plus plausible pour montrer les orbites. Donc là, c'est le dessin d'en haut à gauche. Donc c'est les orbites, donc l'aphélie et le périhélie. C'est toujours l'orbite la plus courte et la plus distante pour une même planète. Et donc on voit que des fois, c'est très serré. Donc là, j'ai essayé de les mettre dans des couleurs différentes. Et puis depuis le Soleil, ben, on arrive à chaque fois à quelque chose d'assez précis. Mercure, Vénus, donc la pyramide de Mykérinos, ce serait Mercure, Khéphren, ce serait Vénus, Khéops, la grande pyramide, représente la Terre. Mars, c'est un peu un problème parce qu'on ne la trouve pas. Alors on voit que là, bah, tous les traits, ils montrent aussi tout le delta du Nil, là où il y a beaucoup de constructions. Alors soit elle a été détruite, soit en fait elle est, comme Fred le dit, dans symbolisée par la bande rouge qui se trouve sur l'autre pyramide, celle de Mykérinos. Ça pourrait être une explication aussi assez plausible. Il faut savoir que dans le système solaire, il y a la grande ceinture d'astéroïdes avec presque une planète aussi qui s'appelle Cérès, qui n'est pas très connue, mais qui est probablement les vestiges d'une ancienne planète qui aurait percuté. Certains disent qu'il y aurait eu une collision entre Vénus et Cérès, et que c'est pour ça que Vénus tourne dans l'autre sens. Il y a plein de choses comme ça. Velikovsky parle de tout ce genre de choses dans ses livres. Donc Cérès, ce serait à trouver, mais il y a une bande qui serait assez plausible. Et notamment, j'avais parlé qu'il y a une progression qui semble suivre un alignement selon la proportion dorée, comme Jean-Marie Souriau, le mathématicien, avait trouvé tout ça. Et il faut prendre en compte Cérès pour que ça fonctionne vraiment bien. Il y a vraiment quelque chose là où une planète a disparu dans ce système solaire. Si on continue, bon, on a Saturne. Alors, il y a la pyramide de Djoser, qui est donc la pyramide à Saqqara, qui fonctionne bien.
Là, c'est celle qu'on voit sur l'image tout en bas, la plus lointaine. Donc ça montre aussi que c'est très intéressant parce que il y a des pyramides qui sont plus grandes ou plus petites, mais elles sont mises plus ou moins loin aussi. On voit que Jupiter, c'est une énorme planète, mais elle est très loin, donc elle apparaît plus petite. Et souvent, en fait, entre les pyramides de Khéops ou de Khéphren, celles de Khéphren paraissent souvent plus grandes que celles de Khéops. Mais c'est quand même celle de Khéops la plus grande, et ça dépend en fait depuis où on la regarde. Et il se trouve que là, on a aussi une corrélation non seulement avec les distances, mais aussi avec les tailles des pyramides, qui représentent ce qu'on appelle la magnitude, donc la taille et la luminosité de cette planète. Donc si on la regarde depuis le Soleil, eh bien on voit une période particulière, parce que forcément elle tourne autour et il y a des endroits, mais ça représenterait une position particulière. Donc ça permet de connaître une date, en fait, cette histoire, et le planétarium de Gizeh nous montrerait probablement une date. Ça pourrait être une manière de dire, ben voilà, à cette date, il y avait ça, il y aura ça, il y a eu ça. On ne sait pas si c'est dans le passé ou dans le futur. Et c'est une piste intéressante à creuser. Il y a beaucoup de légendes, on pourra dire, qui disent que la Grande Pyramide contiendrait des informations sur la planète Terre, contiendrait des informations sur les astres, sur les propriétés. Donc c'est vrai que c'est peut-être ben justement ces dimensions qui représentent la Terre. Et puis le calife Al-Mamoun qui a élargi l'entrée qu'on utilise actuellement, parce qu'il y avait une petite faille, semble-t-il, et qui est allé dans cette pyramide, lui, il cherchait toujours des artefacts magiques. C'était un grand cartographe, il aimait beaucoup, il avait plein de gens qui essayaient à son service, qui essayaient de mesurer la taille de la Terre. Il est allé dans cette grande pyramide, et puis il était un peu déçu parce qu'on lui avait dit que dedans il y avait des artefacts magiques, des cartes du monde. Et il s'est retrouvé dans la grande, voilà, comme mon guide là, dans la chambre haute, puis il a dit, mais c'est vide, il n'y a rien. Puis il s'est dit, ben, probablement qu'on a déjà tout volé. Alors qu'en fait, moi je pense que plutôt la carte, c'est la pyramide. Et que justement, ben, on a les proportions qui sont autant incroyables que ça. En fait, elles représentent les proportions de la Terre. Donc la Terre serait cette grande pyramide dite de Khéops. Et puis ben, Vénus, l'autre, la pyramide de Khéphren. Khafra, plutôt, en bon égyptien. Khoufou, Khafra. Et là, ouais, ben c'est intéressant, c'est une piste à creuser. Après, j'ai aussi encore étendu un peu ce que nous disait Fred. Et puis, il y a la pyramide rouge, la brillante, c'est son nom hein, en fait. Et la pyramide rhomboïdale, qui est l'île, celle qui brille au sud. Et en fait, ces deux pyramides, on les retrouve sur le trait rouge qu'on voit là, des orbites. Donc elles sont assez proches l'une de l'autre. Et au lieu d'avoir une seule pyramide qui symbolise l'orbite plus courte et plus petite, puis qu'elle soit située entre les deux, non, là on en a une sur l'orbite la plus longue, l'orbite la plus courte, et leur nom implique chaque fois le mot brillante. Celle qui brille au sud est la brillante. Donc peut-être qu'il y a eu deux pyramides qui ont été créées à ce moment-là pour juste faire les deux possibilités. Et peut-être que le plan n'est pas fini et que pour chacune des orbites, on aurait dû avoir deux pyramides qui marquent les limites. Ah, il faut savoir que justement, Snéfrou, le père de Khéops, lui, il a construit deux pyramides pour lui et il a fini celle de son père. Donc voilà, après, moi, je trouve ça étrange hein, quand on dit que la pyramide est un tombeau, alors lui, il en a eu deux. Et justement, bah, c'est la pyramide rhomboïdale et la pyramide rouge. C'est ce genre de choses qui me font penser que l'hypothèse que ce soit une représentation du système solaire plutôt que des tombeaux est nettement plus plausible. Après, il n'est pas impossible qu'ils aient été réemployés comme ça aussi. Enfin voilà, ça fait partie de tous ces mystères. Après, si on cherche plus loin, Uranus et Neptune, personnellement, je n'ai pas trouvé. Il n'y a pas d'artefact, il n'y a pas de pyramide. Peut-être que c'est pas fini, peut-être que ce n'était pas important. Parce qu'à un moment donné, les premières pyramides, les premières planètes comptent.
Parce qu'il faut savoir que on les voit pas à l'œil nu, les autres. On peut voir Jupiter à l'œil nu, on peut voir Saturne si on cherche bien, mais au-delà on voit plus. Au-delà, c'est beaucoup trop loin. Donc c'est les cinq premières, je crois, qu'on voit vraiment. Et ensuite, je trouvais amusant, c'est que le Pluton, c'est la fausse planète. Ça a été une planète, ça ne l'est plus, comme je disais tout à l'heure. Et à Meidum, on a une pyramide qui n'est en fait pas vraiment une pyramide. On dit que c'est une fausse pyramide. Il y a juste le cœur de la pyramide et le reste est effondré. Et apparemment, ça joue aussi dans l'orbite. C'est la fausse pyramide et la fausse planète. Un joli clin d'œil, hein. Donc, c'est très étrange tout ça. Mais je trouve que cette idée de planétarium est une idée très intéressante. Il y a pas mal de choses qui fonctionnent. Il y a aussi un physicien allemand qui a aussi bossé dans ce sens-là, qui a fait toute une étude, qui montre que ça marche. Alors lui, il a pris l'autre possibilité que Fred, donc la chaîne L'Apprentissage, qui a fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Et là, le physicien allemand qui a fait ça, lui, alors il a pris l'autre possibilité du soleil, et on trouve aussi des choses intéressantes. Donc il y a peut-être même deux manières de voir les choses, hein. Donc, ouais, piste à creuser. De toute façon, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est vraiment l'étape d'émeraude de Hermès Trismégiste. Ça fait partie de la philosophie hermétique. Donc probablement que on est en mode fractal, que les mêmes proportions qu'on retrouve dans les astres, dans le ciel, eh ben on va aussi les retrouver sur la Terre. Et là, il y a quelqu'un qui a voulu représenter ça d'une manière très concrète avec ses pyramides, en représentant de manière très très concrète ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est tout à fait pareil. On peut observer ce qui est en bas et on verra ce qui est en haut. Ben voilà, ça c'est la notion du grand architecte avec ce dessin qui nous représente un peu cette phrase qui est très connue. Bon, alors là on va contenter les matheux. Donc des fois ça vaut la peine de faire un petit résumé mathématique. Donc cette page elle est peut-être pas très intéressante pour vraiment comprendre tout ce qu'il y a autour, mais pour aller rechercher, c'est des tables que je me suis faites. Avec quelques formules que je viens souvent relire, parce qu'en fait, quand on cherche des chiffres, on tombe sur des chiffres intéressants. On voit des approximations et des nombres exacts. Et je trouve dommage, mais il y a toujours plein de gens qui mélangent, qui disent, alors là, on trouve pi. Puis tu dis, non, on trouve pas pi, on trouve une bonne approximation de pi. Donc, dans une construction, c'est très intéressant, mais mathématiquement, ça vaut rien. Alors là, on mélange un peu tout, et puis c'est des combats ensuite entre des zététiciens, par exemple, qui disent non, mais alors ça c'est que le hasard, c'est impossible. T'as vu la précision ici, on n'a pas une valeur exacte. Puis quand on pense à l'architecture, on se dit mais la valeur exacte, c'est une valeur idéale, elle n'est pas possible dans le monde concret, physique, où on va construire quelque chose. Et la précision qu'on a déjà dans ces constructions, elle est déjà tellement incroyable que si on avait voulu vraiment mettre pi ou phi dedans, eh ben on n'aurait pas pu faire mieux. Même de nos jours, on se demande si on arrive à faire mieux. Donc voilà, ça c'est des choses. Je mets ici plusieurs notations, les formules qui vont avec, et des espèces de coïncidences mathématiques. Il y a une page Wikipédia des coïncidences mathématiques que je trouve très intéressante. C'est un peu une source d'inspiration aussi pour aller voir ça. Notamment le nombre e, l'exponentielle naturelle, l'accroissement naturel. Et on sait très bien que l'accroissement naturel se fait souvent dans la nature par la suite de Fibonacci qui est lié au nombre d'or. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un lien entre cet accroissement naturel qui serait la racine de phi, on a 1,270196, et puis on a le nombre e qui est quelque chose d'intéressant aussi, qu'un des nombres qui ressemble dans l'accroissement aussi. Mais qui n'est pas la même chose. Et il y a des possibilités de faire un lien entre eux. Donc E, c'est environ égal au nombre d'or au carré plus un dixième. On retrouve souvent le 4, le 10, pi et phi. C'est des nombres qui reviennent régulièrement. Donc peut-être qu'il y aurait un lien comme ça. Et puis, il y avait un mathématicien indien, Ramanujan, qui a trouvé énormément de théorèmes, qui a prouvé plein de théorèmes de relations en tout genre. Il a fallu presque un siècle ensuite pour qu'on réussisse à prouver ce qu'il avait déjà prouvé lui,
tout seul, perdu au milieu de l'Inde, dans la pauvreté, souvent dans des endroits incroyables où il n'avait pas les moyens. Et puis là, ben, on a réussi à remontrer qu'il avait pas mal raison. Et je soupçonne, quand je vois le genre de formule de suite auquel il s'est intéressé, qu'il devait y avoir un lien avec le nombre d'or, et qu'à partir de là, il a peut-être trouvé des techniques qui permettaient de résoudre ses calculs, liés toujours à ce E d'exponentiel. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Et le E fait souvent le lien entre les sinus et le monde de la trigonométrie. On l'utilise dans les nombres complexes comme base. Donc c'est peut-être intéressant de creuser là-dedans pour les matheux. Donc c'est peut-être des mots qui te disent rien, parce que là, tout d'un coup, je fais une petite parenthèse pour les matheux. Donc ici, on obtient, ben je fais un petit résumé, on a phi, donc le nombre d'or, on a son inverse, on a son carré, donc c'est des nombres à connaître, 1,618, 0,618, 2,618. Tout ça se génère à partir de la racine de 5, donc la diagonale du double carré, où on obtient 2,23,606. Quand on combine tout ça, ben c'est vrai qu'on voit 1 plus la racine de 5 divisé par 2, ça nous donne le nombre d'or. On a l'inverse, ça nous donne aussi l'inverse du nombre d'or. Et puis après, ben, toutes ces histoires avec le nombre E que j'ai raconté, l'accroissement naturel, et cet accroissement naturel E d'exponentielle ou racine de phi qui est constructible, ou encore plutôt 4 sur pi, qui est vraiment le 1,273 qu'on retrouve un peu partout dans les astres. Dans les températures de la température de l'univers, la gravité de surface du Soleil, ce genre de petites subtilités. Là, je pense qu'il y a ce petit équivalent. Après, sur la colonne de droite, là, j'ai précisé un peu d'autres valeurs. On a racine de 3, racine de 2, qui sont aussi des valeurs très utilisées dans la géométrie sacrée. Et on a aussi le 0,866, racine de 3 sur 2. Qui est aussi dans la trigonométrie le cosinus de pi sur 6. Pi sur 6, donc c'est un angle en radian. Et ce racine de 3 sur 2, ben, il intervient de nouveau dans la forme qu'on voit avec, si je fabrique un hexagone, une étoile de David dedans, avec les deux triangles. Et ça nous donne en fait toutes les proportions racine de 3 sur 2 des différents niveaux de ce triangle. Et pour les gens qui veulent creuser, je t'invite à regarder où se trouve la grande pyramide. De Gizeh, la latitude de Gizeh par rapport à la Terre entière, racine de 3 sur 2, c'est intéressant comme proportion. Allez, on en reparlera peut-être une autre fois. Le nombre pi, et tout d'un coup on entre dans la définition de la fameuse coudée royale égyptienne. Donc je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais j'ai montré qu'il y avait pi, j'ai montré qu'il y avait phi carré, et si on fait pi moins phi carré, on tombe sur 0, 52, 35, 5 quelque chose. Aussi une définition plausible de la coudée royale égyptienne. Donc la coudée royale égyptienne, là, elle est directement liée à pi et phi. Mais bon, il y a d'autres définitions qui sont aussi intéressantes, comme pi sur 6. Je vous montrerai là, c'est lié à un sixième de cercle. 0, 52, 35, 98. Ou alors 0,52, 36, 0,6. Et ça, c'est quand on prend phi au carré, quand on en prend 2, le nombre d'or au carré, et un dixième. Puis si on simplifie, ben, on fait phi carré sur 5 directement. Alors après, ben, forcément, avec ce cercle, soit on prend un seul sixième, ou soit on prend ce qui reste, donc 5 sixièmes de pi, et on obtient 2,617,99, donc de presque 2,618, donc encore une fois, le nombre d'or au carré. C'est intéressant, il y a des liens entre les cercles, entre pi, phi, toujours. C'est toujours la meilleure approximation possible qu'on puisse faire entre le nombre pi et le nombre phi. J'ai vu un mathématicien australien qui avait essayé de chercher comment mathématiquement on pourrait faire un lien entre pi et phi. Et il se trouve que lui, il est allé dans les nombres complexes, parce que c'est là-dessus qu'il a trouvé où on pouvait faire quelque chose de plus précis. Mais ça devient beaucoup plus compliqué, et en fait, on n'est plus tout à fait dans la réalité du terrain des nombres constructibles. Et il n'y a pas mieux que cette coudée royale égyptienne pour faire le lien entre pi et phi dans un système constructible.
Et ensuite, nous arrivons à quelque chose de très intéressant. 1 plus 2 plus racine de 5, le tout divisé par 10, on a 0,52,36,06. Donc ça, c'est une définition de la coudée qui retombe encore sur notre phi carré sur 5. C'est exactement le même. Donc on verra pourquoi juste après. Donc je vais faire une petite définition de toutes ces histoires de coudées royales. Parce que là, on entre dans une autre partie de cette présentation. L'incarnation dans la matière. Maintenant, à partir de la théorie, il faudra passer à la pratique. On a un monde idéal des mathématiques, on aimerait la réalité du terrain. On a ces notions de proportion, puis on aimerait leur mettre en place des tailles. Donc j'ai déjà montré avec l'exemple le plus parfait, qui est justement cette grande pyramide de Gizeh et sa chambre haute en granit, qui nous montre des proportions absolument parfaites, dans une taille qui signifie les mêmes proportions absolument parfaites. Donc là, on a vraiment le mariage des deux. Et puis, ben, toutes ces cathédrales, ce sont les constructions un peu qui représentent ces résonances comme ça. C'est l'expression divine sur la terre. C'est un peu le principe d'une cathédrale, hein. Donc c'est parti, on va discuter unité. Donc voilà une photo que j'ai faite à Saqqara, dans le musée de Saqqara, d'une coudée en pierre. Donc c'est une coudée qui est peut-être un peu mieux que celle en bois. C'est une coudée royale égyptienne. Et puis, ben justement, il y a exactement la même coudée de 52-36, on va dire ça comme ça pour approximer, qui est la canne des bâtisseurs de cathédrales. Donc pour construire les cathédrales en Europe au XIIIe siècle, ou pour construire des bâtiments durant les 3000 ans de la civilisation égyptienne, dans l'Antiquité, beaucoup plus tôt, des millénaires avant, c'est la même coudée. Ça, c'est intéressant. Ça, on ne nous le dit pas trop, parce que souvent, on nous dit le pied, la coudée, c'était le roi, c'est le machin qui avait un. Non, alors, il faut dire que le même roi, il a régné pendant quelques milliers d'années. Non, parce que là, on a vraiment la même taille, la même représentation. Je pense que là, il y a un système de mesure qui a perdurer pendant plusieurs millénaires. Donc voilà, ça c'est, on y arrive enfin à ces définitions. Je trouve les approches les plus plausibles pour moi dans la manière de définir ce qu'est cette fameuse coudée royale égyptienne, qui se trouve être la même que la coudée utilisée par les bâtisseurs de cathédrales. Donc encore une fois, il y a une notion philosophique derrière. On retrouve le phi, encore une fois. Le nombre d'or, phi, philosophie. Cette philosophie, ben là j'ai mis le yin et le yang, parce que en chinois, cette philosophie est aussi bien présente dans le Tao. Le Tao est, j'ai l'impression qu'en fait il est issu de cette même philosophie qu'on avait en Égypte aussi. Donc on a le masculin, le féminin, c'est le yin et le yang. On a cette dualité qui est mariée. Donc on a le monde du carré, qui est le monde de T, de la Terre, et le monde des cercles, le monde du C, du ciel, le monde des courbes féminines et le monde des droites masculines, le monde des constructions humaines et le monde des constructions divines. Mais qui ont un lien, c'est cette fameuse coudée royale, cette proportion qui est là au milieu. Et on a donc forcément deux manières différentes pour pouvoir aborder, pour pouvoir définir cette unité de mesure qu'est la coudée royale. Donc ici, à gauche, j'ai la version en utilisant un double carré, forcément. Et ce double carré, ben on va le dessiner avec l'équerre. Et à droite, ici, j'ai presque ce qu'on appelle une fleur de vie, une graine de vie, une fleur de vie, ou tout ça. Donc dès qu'on laisse un gosse avec un compas, eh ben il nous dessine ce genre de choses. Donc la fleur de vie, c'est aussi dans les traditions spirituelles, on la retrouve passablement. Il y en a aussi un qui est gravé sur l'Osirayon, qui est donc un des plus anciens temples égyptiens, qui ressemble beaucoup au temple de la vallée, mais qui est beaucoup plus au sud. Et ici donc on a la version fabriquée avec le compas. On retrouve encore une fois ce symbole franc-maçon. Le mariage entre le compas pour dessiner les cercles et l'équerre pour dessiner des rectangles, des carrés, des droites. Donc ici, à gauche, on va prendre
La diagonale du double carré qu'on a déjà vu abondamment, qui forcément vaut racine de 5, et on a 1, 1, 1, donc on a 3 fois 1. Et si on fait un triangle, c'est souvent nommé le triangle des bâtisseurs. C'est un triangle qui est souvent utilisé pour faire une équerre. Et ici, on a donc 1 plus 2 plus racine de 5. Ça nous fait le périmètre. Et si on le divise par 10, on tombe sur 0, 52, 36, 606, 7, 9, 7, 7, enfin bref. Une valeur tout à fait plausible pour l'accoudée royale égyptienne. On retombe aussi sur la même valeur que phi carré sur 5, qui était aussi 0, 52, 36, 606, blablabla, en mètres. Donc là, j'ai pris vraiment, on a une proportion, mais maintenant, on va la mettre en mètres. C'est l'occasion de le dire. On doit lui donner une taille. Donc, on sait que ben, il vaut 52 cm, en gros. Donc, on va relier ça en mètres. Donc, effectivement, si on prend 1, ce 1 n'est plus égal à 1 sans dimension, mais 1 en mètres, eh ben, on tombe sur 0,5236 mètres. Donc là, on va commencer à l'ancrer dans la matière. Ici, à droite, eh ben, on va faire la même chose. Je fais un cercle, mon compas. Je garde le même écartement et je vais sur mon cercle, je prends un point, peu importe où il est, et je trace, hop, une distance. C'est la distance du rayon. Et je vais au suivant et je fais une petite marque, et je vois qu'en fait, je peux faire 6 fois cette marque et je retombe sur mon point de départ. Donc, ça me forme un hexagone en fait. L'hexagone, c'est super simple à fabriquer. Moi, je faisais ça quand j'étais gosse. J'adorais fabriquer des hexagones. Puis, j'étais très perturbé par les pentagones. Parce que les pentagones, j'arrive pas à le faire parce que c'est compliqué. Parce que c'est tellement simple de prendre le même écartement. Donc, je dois changer l'écartement et je ne sais pas comment faire le pentagone. Mais l'hexagone, ben, c'est le même écartement avec le rayon. Pouf! Tic-tic-tic, ça divise en 6 la portion. Et ça, c'est super simple, et on tombe sur un sixième de cercle. Alors si on l'exprime en radians, si on l'exprime donc 2 pi radians, c'est la circonférence du cercle au total. Et ensuite, ben, on arrive à faire des angles comme ça. Et si c'est 2 pi la totalité, ben, on va diviser tout ça. On a pi sur 6 est égal à 0,5236, etc. Si on voit là en notation à virgule. Donc c'est un 0,5236 un peu différent parce que c'est 0,2523598,77. Si on arrondit les dernières décimales un poil de micro-cheveux, et pouf, on arrive sur exactement la même valeur que 0,5236 fait avec des rectangles. Donc dans la matière, dans la construction, ces deux sont totalement équivalentes, mais la manière de le générer mathématiquement est différente. Une fois, on utilise les courbes, et uniquement les courbes, une fois, on utilise les carrés, et uniquement les carrés. Mais on a donc une circonférence d'un cercle de 1 mètre de diamètre, et on a ce 1, le carré de 1 mètre de côté. Et ça, c'est quand même perturbant, parce que ça veut dire que le mètre est déjà une unité connue. Bien avant qu'on nous le dise qu'elle était connue. La petite histoire, c'est à la Révolution française, on a décidé que le roi, il fallait lui couper la tête, et notamment on ne voulait plus utiliser des unités de mesure liées à la longueur du pied du roi, à la longueur de la coudée du roi. Du coup, on a mis une mesure universelle qui est liée à la taille de la Terre, un 10 millionième du quart du méridien qui passe par les pôles. Et ben là, ben non, on voit qu'il y avait déjà le mètre. En tout cas, ça fonctionne tellement super bien, tellement super précis, que la coïncidence est vraiment un peu grosse. Et c'est justement ce que j'aimerais mettre ensemble dans toutes mes recherches, dans une prochaine vidéo, pour expliquer justement la véritable origine du mètre. Parce qu'on voit qu'elle était connue bien plus tôt que ce qu'on pense. Voilà, alors ça, c'est un peu les fondements de cette coudée royale égyptienne, comme je le vois dans cette philosophie un peu dualiste. À partir de ça, on peut construire énormément de choses. Donc ça, c'est la pige des bâtisseurs.
Donc, je disais, quand j'étais gosse, j'essayais de faire un pentagone, une étoile à cinq branches. Et c'est après que j'ai compris. Alors, je me souviens que je faisais un angle 72 degrés parce que c'était 360 divisé par 5, puis j'arrivais après, puis j'avais un rapporteur, j'essayais. Ensuite, j'ai trouvé d'autres techniques qui permettent de construire des pentagones, et ben là, j'en ai fait un avec le petit logiciel GeoGebra, je dessine tout ça, et on arrive à retrouver en fait sur des distances, des longueurs, des proportions qui sont liées au nombre d'or à tous les niveaux. Ça se résonne en mode fractal dans tous les sens. Il y a un lien à chaque fois, il y a un lien, un autre lien. Donc là, on a un pentagone en rose qui fait tout le tour, une étoile à cinq branches à l'intérieur, là en turquoise, qui représente les points, et ça nous donne donc le 1 qui est défini avec le pentagone à l'envers au milieu, c'est un des côtés, et à chaque fois on peut refaire une étoile, un pentagone, une étoile, un pentagone. Et donc on a cette représentation fractale à plusieurs échelles différentes, mais avec des rapports qui sont identiques. Et donc ici on a phi, le nombre d'or, qui nous permet de faire ben, les triangles qui forment les pointes de la grande étoile. On a un qui forme la base de ce triangle qui est équi. C'est un triangle isocèle en fait, ces pointes. Parce qu'il a deux côtés de la même chose et la base est différente, donc ça a un et le nombre d'or. Donc c'est aussi un triangle doré. Et si on va à l'échelle en dessous, ben on a l'inverse du nombre d'or. Et ensuite on a encore l'inverse du nombre d'or, mais au carré. On retrouve cette fameuse suite géométrique dont j'en parlais. Et si on la met en évidence avec le grand trait vert, on retrouve des proportions connues. Ça fait une sorte de spirale aussi. Mais si tu regardes ta main avec ton poignet, si tu plies ton poing, tu vas aussi retrouver ton doigt qui s'enroule, comme on le voyait sur les petites images à montrer dans la nature, ça ressemble à ça. Donc ça s'enroule et on trouve la coudée, le pied, l'empan, la palme, la paume. Donc je reprécise à côté sur la main, la palme, ce que ça représente, l'empan, donc du pouce à l'index, la paume qui traverse la main. Et l'empan, mais il se trouve que c'est un cinquième d'un mètre. Là, on le voit bien sur ma petite réglette que j'ai prise, qui précise encore, en plus, c'est génial, j'ai trouvé une réglette qui nous dit que l'humanité la mesure de toutes choses. Donc, c'est très intéressant parce que là, on a vraiment un lien entre le système métrique, le système qu'on utilise de nos jours, en division par 10, en division décimale. Donc, on a un mètre, on a un centimètre, on a un millimètre. C'est millimicro-nano-pico. C'est les puissances de 3 qu'on leur a donné des noms. Et puis on a ensuite des kilo, méga, giga, tera pour les grands nombres. Mais on a une division qui se fait en facteur de 10. À chaque fois, on fait 10 fois plus petit, 10 fois plus grand. On divise tout en 10. Alors que dans l'ancien système, dans le système des bâtisseurs de cathédrales, on avait la coudée, le pied, l'empan, la palme, la paume, avec chaque fois un facteur qui n'est pas un dixième. On ne décompose pas en 10, mais on décompose avec le nombre d'or. Et ce qui a justement des propriétés intéressantes, parce que en divisant au nombre d'or, on peut faire des additions et des multiplications en même temps. On avait vu qu'il y avait une adéquation entre cette suite géométrique et cette suite arithmétique. Et ça a des propriétés intéressantes. Là, on le voit très bien si on déplie les choses. On voit bien que si je prends une paume plus une palme, ça nous donne un empan. Puis si je reprends l'empan plus le pied, ça nous donne une coudée. Donc ça a des propriétés intéressantes. C'était peut-être très futé d'utiliser, comme on le fait maintenant, la même division à chaque étage. Si j'ai un divisé par 10, ben voilà, j'ai un mètre, un centimètre, un millimètre, un micromètre, un nanomètre, voilà. Mais c'était aussi très pratique d'avoir la coudée, le pied, l'empan, la palme, la paume. Donc là, on voit qu'il y a un système qui est extrêmement précis, bien codifié, quelque chose qui fonctionne super bien, et qui n'a strictement rien à voir avec le pied du roi, la coudée du roi. Alors peut-être que ce système, au fil des millénaires, parce qu'on voit que c'est très très vieux,
Eh ben, il y a des rois qui sont devenus complètement stupides et puis qui ont décrété que c'était leur propre pied ou leur propre coude qui allait déterminer ça. Mais alors qu'en fait, on voit que c'est plutôt un système mathématique. Mais ça vaut la peine de le remettre en avant parce que il y a peu de gens qui le savent, alors que c'est vraiment fantastique. Alors moi, j'ai découvert Lampan, c'est quand j'étais gosse, mon grand-père m'avait donné un livre de Rabelais. Et puis dedans, Rabelais, c'est connu, avec ses Gargantua, avec ses G aussi, Pantagruel, avec un G aussi, qui sont probablement des contes alchimistes, de la philosophie hermétique, là-dedans, beaucoup de choses. Et dedans, il y avait Lampan. Il parlait d'Empan, et je disais, je ne sais pas ce que c'était que l'Empan. C'est un livre qui était assez pénible à lire parce qu'il y avait énormément de notes de bas de page. J'arrêtais pas de lire un truc que je comprenais pas et notes de bas de page. Mais je me souviens vraiment de cet Empan. J'avais retenu que c'était 20 cm et que c'est super pratique quand je dois mesurer quelque chose et que j'ai rien. Avec son corps, on peut mesurer plein de choses. Parce que oui, l'humanité, la mesure de toute chose, ça fait 20 cm. Donc on arrive à calquer ce système mathématique dont on voit que la coudée, elle est liée au nombre d'or, à plein de choses. La coudée royale égyptienne, c'est même la taille des bébés à la naissance, en bonne moyenne approximative, hein, comme on l'a vu, la suite de Fibonacci. On essaye d'approcher, mais ça ne veut pas dire que c'est exact. Et après, on voit que 20 cm, c'est la taille. C'est parce que nous aussi, notre corps est conçu selon ce schéma du nombre d'or. On l'a vu tout à l'heure avec cette histoire des proportions du nombre d'or dans les proportions humaines. Donc forcément qu'on a un système qui correspond à l'humanité, qui correspond au reste des astres et de la construction de l'univers, parce qu'on est intégré selon les mêmes principes naturels. Mais aussi, on voit que ce système, entre une taille et une proportion, on arrive à le réunir. Je sais pas si je suis très clair avec tout ça, parce que ça fait tellement de liens dans tous les sens qu'on sait plus trop par où le prendre des fois, et c'est pour ça que je vois beaucoup de gens qui se perdent là-dedans, et puis qui font des liens dans tous les sens, puis en fait, l'important c'est pas de chercher les liens dans tous les sens, mais de voir le système. C'est comme ces physiciens qui veulent casser les atomes, casser les quarks, casser toujours plus loin, on fait des accélérateurs de particules pour aller toujours plus loin. Il serait peut-être temps de voir la logique de construction-déconstruction, que de vouloir essayer de trouver le maximum de particules qu'on puisse trouver en physique. Le tableau périodique des éléments, finalement, il y a une logique dans la construction de ces atomes. Et puis, vaut mieux trouver cette logique que d'essayer de casser puis de faire des assemblages. Et il y a des assemblages stables, d'autres qui sont pas stables. On voit, les éléments radioactifs sont pas stables. Et je pense que là-dessus, on pourra peut-être essayer. Ça, c'est une idée que j'ai comme ça là maintenant tout de suite. Le tableau périodique des éléments vu avec le nombre d'or et la géométrie sacrée. Est-ce que la stabilité, on la trouverait pas avec le nombre d'or et le reste pas? Ça reste à creuser. C'est une piste que je lance comme ça, pour s'il y a des gens qui aimeraient savoir. Donc voilà, on a relié avec Lampan le maître à cette géométrie, coudée, paume, palme, pied. Et on voit qu'on relie le corps humain à un système mathématique, mais un système qui va bien au-delà, avec aussi la géométrie sacrée. Eh bien, alors maintenant, on va aller dans la pratique, parce qu'une fois que j'ai appris ça, je me suis dit, il paraît qu'il y a le maître qui se trouve depuis bien longtemps. Alors je suis allé, la cathédrale la plus proche de chez moi, dans laquelle le sol n'a pas été refait depuis sa construction au XIIIe siècle, c'est la cathédrale de Fribourg. Et à Fribourg, il y a des pierres angulaires qui se trouvent à l'entrée de la cathédrale, et puis on voit qu'ils les ont intégrées. Donc c'est vrai qu'on voit que c'est des pierres qui n'ont strictement rien à voir. Elles sont dans une pierre beaucoup plus solide que la pierre du sol. Et c'est assez magique, parce qu'ils l'ont intégrée là-dedans, je pense, en fin de construction, sans trop savoir où les mettre. Et pouf, si on mesure la diagonale, les diagonales sont importantes, je dis. On aime bien mesurer les largeurs-hauteurs de nos jours, on ne fait pas trop attention à ces notions de vision du monde, de philosophie, mais la diagonale, c'est quelque chose de beaucoup plus important dans cette philosophie hermétique, dans cette géométrie sacrée. La diagonale nous permet de voir que là, on a exactement 1 mètre. C'était une histoire un peu rocambolesque, je savais que je devais aller la mesurer un jour,
Mais je me suis retrouvé une fois à Fribourg, je me dis, ah zut, je passe pas souvent, là j'ai une demi-heure à disposition, je devais aller donner une conférence après. Et j'avais rien pour mesurer, je suis entré dans le premier magasin, j'ai trouvé un double mètre, un mètre de couture, et puis ben, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais quand même le faire, parce que sinon je reviendrai jamais. Et tout. Je me suis retrouvé après en pleine messe, au milieu de la cathédrale, puis je suis assis par terre pour essayer de mesurer ça. Et effectivement, ben, j'ai retrouvé le mètre était dans cette pierre angulaire. Et on voit qu'il y a deux pierres qui sont cimentées ensemble pour former ce grand rectangle. Et ce qui est intéressant, c'est que la hauteur d'un de ces côtés, juste le petit bout, donc la moitié d'un des côtés d'un des petits côtés du rectangle, ça vaut un pied romain. Le pied romain, c'est une unité aussi assez étrange, dont on sait assez peu de choses dessus. Mais en cherchant bien, il y a pas mal de choses à dire. Ça ferait aussi l'objet, je pense, de la même vidéo que la vidéo sur l'origine du mètre. Parce que là, on voit qu'il y a un lien avec le mètre, évidemment. Hein? Ici, en fait, ce pied romain est toujours utilisé. Parce qu'il est utilisé dans les dimensions de nos pages A4 qu'on utilise. Les feuilles de page A4. Et ouais, c'est un pied romain. La hauteur. Bon, puis sinon, là, j'ai remis quand même la définition du mètre sur ce globe. On voit que c'est un quart du méridien, donc méridien dans l'ancienne définition, qui est le grand cercle qui fait tout le tour de la Terre en passant par les pôles. Et là, ben, il y a des gens qui ont mesuré une partie de ce méridien il y a 200 ans. Et souvent, c'est là qu'on dit que c'est l'origine de cette définition du mètre. Alors que la définition est certainement beaucoup plus ancienne et on la retrouve un peu partout. On la retrouve tellement partout que ça en devient quelque chose d'intéressant, dont notamment ben, l'emblématique Stonehenge. Donc ça, c'est aussi une photo que j'ai faite quand j'y suis allé il y a 2 ans. Et la circonférence de ce grand cercle de Stonehenge, eh ben, égale à 100 mètres. Waouh! Et pour moi, c'était un observatoire astronomique. Mais il y a aussi quelque chose avec le son. Hein. C'est sorti très récemment encore, une étude qui a été faite qui montre que le son reste à l'intérieur. Et on retrouve aussi dans la Grande Pyramide, il y a, moi, quand j'étais dans cette chambre haute, là, j'ai fait un peu de son, là, wow. Voilà, il y a quelque chose avec le son. Je trouve que c'est des dimensions, justement, qui nous font ressortir la gamme musicale, qui ont des liens. Après, on retrouve qu'à Malte, il y a aussi celui de Legozo, un temple qui résonne de la même manière. Les grottes de Barabar en Inde qui résonnent aussi. Il y aura un film prochainement là-dessus qui sera fait par Patrice Pouyard. Donc c'est le son, c'est à creuser. Il y a aussi en Afrique du Sud des espèces de cercles de pierres qui ne sont pas tout à fait des cercles, mais des espèces de bulles. Et on voit qu'ils résonnent aussi, c'est des pierres sonores. Et là, donc Stonehenge est probablement fait, on sait qu'il est fait avec des pierres sonores et il fait 100 mètres de circonférence. Et ça m'a rappelé tout de suite le disque de Nebra qui a été trouvé en Allemagne, à Nebra, qui fait une circonférence de aussi 1 mètre, avec ses 39 trous qui montrent aussi les 39 semaines qui permettent de faire le mois, ça fait 273 jours. Ça fait une grossesse humaine. Et on reconnaît plein d'étoiles, notamment les moules-moules. On a les moules-moules, là, le petit amas des Pléiades. Et ça représente aussi un rectangle solstitial, là au milieu. Et ça permet en fait de déterminer que ce n'est pas un souvenir de vacances d'Égypte, mais que ce disque de Nebra a été fait en Allemagne, à cet endroit-là. Et ça devient la plus ancienne représentation. Du ciel qui est connu en moins 1600. C'est plus vieux que le Dendera, semble-t-il. Mais peut-être que Dendera est encore plus vieux parce que c'était une refabrication, une restauration. Et ce que je trouve intéressant, ce que Howard Crowhurst a souligné, c'est la latitude à laquelle on trouve Stonehenge et Nebra. Les deux sont à peu près à la même latitude. Et c'est une latitude qui est intéressante parce qu'on peut avoir un angle droit, l'Angleterre, hein, l'Angleterre, la terre de l'angle. Peut-être qu'il y a quelque chose avec l'Angleterre, avec ça. Et on a un angle droit
entre la plus longue élongation qu'on peut faire avec les cycles de la Lune et du Soleil. Donc on a un angle qui peut être mesuré à Stonehenge avec ça, entre la Terre et la Lune. Entre la Terre et le Soleil. Entre la Lune et le Soleil. On a quelque chose, on a un lien ici, et on voit clairement que là, il y a le Soleil et la Lune qui sont représentés sur ce disque de Nebra. Nebra, d'ailleurs, je trouve que ça a une sacrée consonance de nom plutôt égyptien, hein. Nebra. C'est la corbeille de Ra, c'est quelque chose, c'est le Ra, c'est le Soleil. Enfin, je trouve que là, on devrait creuser aussi dans l'étymologie. Il y a tellement de choses à faire que je n'ai jamais le temps de tout faire, alors je donne les pistes. Et puis il y a des gens qui vont peut-être creuser un peu plus tout ça. Alors il a une circonférence de 1 mètre, c'est aussi un ordinateur astronomique, je trouve que c'est juste génial. Et il est fait avec du cuivre qui vient d'Autriche, et avec de l'or et de l'étain qui vient du sud de l'Angleterre. Donc franchement, à l'époque, il voyage déjà pas mal pour faire ce genre d'outils. On continue, alors ça c'est beaucoup plus près de chez moi, en Suisse, bout du lac de Neuchâtel. Donc moi j'habite à un bout du lac de Neuchâtel qui est proche du site archéologique de l'Athènes, qui était un des hauts lieux de la civilisation celte, l'Athènes. Donc il y a beaucoup de menhirs dans notre région, beaucoup de mégalithes. Ça s'étale sur des millénaires, et puis on retrouve la même géométrie sur des millénaires. Donc autant chez les Celtes que autant chez les constructions du néolithique qui sont bien plus vieilles. Donc là, on a un site qui est daté par les archéologues du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Donc ça, c'est quelque chose qui est censé être plus vieux que la grande pyramide de Gizeh. Et déjà, là, on retrouve, c'est un schéma directeur du site de Clandie à Yverdon. Donc là, j'ai une photo panoramique depuis dessus. Donc on voit pas très bien cet endroit, donc il semble que ces menhirs ont passé 2000 ans sous l'eau, au bout du lac. La hauteur du lac a pas mal varié au fil des millénaires, donc ils sont tombés, mais les trous sont toujours là et ils ont été recalés. Mais ils ont été calés, enfin les pierres de calage, ils ont été remis dans les trous pour les redresser il y a une trentaine d'années. Mais ils sont pas forcément toujours tout à fait au bon endroit. Il y a des choses qui sont au bon endroit et des choses qui le sont moins. Et c'était grâce à Stéphane Cardinaux que j'ai retrouvé, en fait, dans ses propos, le schéma directeur qu'il a étudié, puis qu'il a ressorti ça, et puis tout d'un coup j'ai vu ça, puis je me suis dit, mais c'est un double carré aussi, waouh! Donc il fait aussi de la géométrie sacrée, il y a plein de choses qui sont intéressantes dans la géobiologie aussi avec Stéphane Cardinaux. J'ai fait des cours avec lui sur bien d'autres aspects. Et là, en fait, il y a un lien très très clair avec ce double carré. Et ils ont juste marqué les diagonales. Les autres, souvent, ils marquent les angles tours. Mais en fait, non, c'est vrai que dans la géométrie sacrée, on marque souvent les diagonales. Donc là, ils ont marqué que les diagonales, ce qui fait que c'est pas très visible quand on est sur le terrain. On ne voit pas que c'est un double carré. Mais ça devient très très clair si on observe ça de plus haut. Et il y a aussi un angle en degrés, on tombe sur 222. Pouf, l'angle de la grande diagonale du centre. Donc voilà, on a un schéma directeur basé sur un double carré, comme la grande pyramide dans la civilisation mégalithique. Donc ça, c'est un truc qui est très très peu connu, parce que bah, on va regarder sous les grands sites, hein, Stonehenge, on va regarder Avebury, on va regarder Karnak, et Karnak. Voilà, c'est rigolo parce qu'il y a 2 ans, je suis allé justement au mois d'octobre à Karnak et puis au mois de novembre à Karnak. Mais celui qui est en France, puis celui qui est en Égypte. Donc j'ai pu un peu comparer assez rapidement plein de choses. Maintenant, on va passer aussi sous un autre angle qu'on trouve justement à Karnak en France, le carré le triangle 3, 4, 5. Le premier des triangles rectangles qu'on dit de Pythagore. Comme on l'a vu, Pythagore, ben on le trouvait déjà bien avant Pythagore. Mais Pythagore est allé en Égypte. Il a ramené des choses. Et en fait, ce triangle 3, 4, 5, c'est le seul triangle rectangle dont les longueurs de côté suivent une progression arithmétique. Encore une fois, 3, 4, 5. Donc c'est plus 1, plus 1. On y va. Et ça, c'est un truc qui revient régulièrement. Chercher les progressions arithmétiques, chercher les progressions géométriques. Et quand on arrive à
comme avec le nombre d'or, où on arrive à faire une progression géométrique et une progression arithmétique en même temps, ben là, ça va être quelque chose qu'on retrouve partout, qui est utilisé dans la géométrie sacrée. Donc là, on dit que c'est aussi la corde à 13 nœuds, parce qu'on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nœuds. Si on fait une corde, qu'on prend ces 13 nœuds, comme ça les deux derniers, on peut se superposer, c'est un outil qui est aussi utilisé par les bâtisseurs. Les bâtisseurs de cathédrales, comme ça, on arrive directement à faire, on met des piquets, on pouf, on se fait un triangle rectangle très facilement. Et avec ça, bon, alors peut-être pas une exigence de précision aussi grande, mais on a déjà quelque chose qui est super efficace. Et à partir de ça, ben justement, on refait les diagonales. On peut faire les doubles carrés, les triples carrés, et directement on reconstruit. Donc juste avec une bête corde, on arrive à faire pas mal de choses. Et ça, c'est un peu la magie du triangle 3, 4, 5. Et on arrive aussi à faire quelque chose, c'est notamment dans les mégalithes, on voit beaucoup ça. On peut aussi faire des calculs, donc on peut faire des additions, des soustractions avec des 3, 4, 5 comme ça. Donc là, bon, c'est déjà tellement long ici que je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y avait un clin d'œil intéressant que j'ai retrouvé en lisant le livre de Edmé Jomard, qui était un des tout premiers égyptologues qui a participé à la campagne napoléonienne en Égypte, qui a écrit un livre absolument fantastique que je t'incite à lire, qui s'appelle Mémoire sur le système métrique des anciens Égyptiens. Le système métrique des anciens Égyptiens. Donc, système de mesure, on va dire. Il faut dire qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore inventé le mètre. Oui, mais il y avait déjà des égyptologues, les premiers, qui allaient chercher le système métrique des anciens Égyptiens en Égypte, contenant les recherches sur leur connaissance géométrique et sur les mesures des autres peuples de l'Antiquité. Donc ce livre a été publié en 1817, suite à 20 ans de boulot qu'Edmé Jomard a fait pour compiler tout ce qu'il avait vu pendant la campagne napoléonienne, donc c'était en 1798. Donc là, dans ce livre, il nous parle du triangle 3, 4, 5. Et justement, c'est intéressant parce qu'il dit pourquoi est-ce qu'on utilise les nombres 12 et 60 pour diviser le temps? On a 12 heures dans la journée, on a 60 minutes et 60 secondes. Donc ça nous est autant utile pour les heures, minutes, secondes du temps, mais aussi pour les mesures d'angle. Hein, on utilise des degrés, minutes, secondes. Avec des unités de mesure qui sont très intéressantes. Donc on a le triangle 3, 4, 5. 3 plus 4 plus 5 égale 12. On a une progression arithmétique. Je disais qu'il faut faire attention à ces nombres qui nous permettent de faire arithmétique et géométrique. Et si au lieu de faire 3 plus 4 plus 5, on fait 3 fois 4 fois 5, on a 60. Et 12 et 60, si on fait 5 fois 12 égale 60. On retombe sur nos pattes en chiffres entiers. C'est génial. Donc là, on a les mêmes nombres, le même triangle 3, 4, 5 qui nous fait une progression géométrique et arithmétique, comme le nombre d'or. Donc forcément, le triangle 3, 4, 5 est aussi important que toutes les proportions au triangle de Kepler, par exemple, au nombre d'or. Alors, Jomard, il nous dit qu'il n'a pas inventé ça tout seul, mais qu'il a retrouvé ça chez le philosophe, encore une fois, philosophe romain du 1er siècle qui s'appelait Plutarque. C'était un romain. Et lui, il dit qu'il a piqué ça au grec, Platon. C'était 400 ans avant. Et Platon, lui, il dit qu'il est allé faire un séjour en Égypte chez les prêtres d'Héliopolis. Donc il a certainement piqué ça aux Égyptiens. Donc j'ai piqué ça à Jomard, qu'il a piqué à Plutarque, qu'il a piqué à Platon, qu'il a piqué aux prêtres égyptiens, qui l'utilisaient déjà depuis très longtemps. Et chez les Sumériens, à la même époque, on retrouve aussi la base 60, comme on l'a vu au tout début, avec la tablette de Plimpton, qui montre la racine de 2 écrite en nombre avec base 60. Donc voilà, c'est une manière différente d'écrire les choses, mais on retombe toujours sur ces mêmes genres de chiffres. Et c'est, semble-t-il, depuis les Babyloniens, qu'on l'utilise les 12 heures par jour. Mais il y avait aussi les 12 mois dans l'année. Chez les Égyptiens, c'est aussi 12 mois par année. Mais avec 365 jours dans l'année, plus 5 jours épagomènes, donc des jours qu'on rajoute, qui sont dédiés aux divinités, parce qu'on ne sait pas trop où les mettre ailleurs, et c'est là qu'on tombe sur
Le calendrier qui commence le 14 juillet. Pourquoi est-ce que des Égyptiens, Napoléon, sont allés le 14 juillet chercher plein de choses en Égypte? Et quand ils sont revenus, après cette révolution, pof, du 14 juillet, et on fait la fête nationale le 14 juillet en France. En Suisse, c'est le 1er août. 1er août, date de la fête de Lugnasad, fête celte. On fait des feux depuis toujours. Et on fait les feux du 1er août. Ben, on peut toujours aller rechercher loin. En fait, je pense que on a inconsciemment des traditions qui se transmettent sur beaucoup plus longtemps. Ok. Alors, on arrive au terme de cette présentation parce que là, j'ai déjà fait pas mal de temps. Donc, on étudiera tous ces premiers égyptologues. On étudiera tout ça sur l'origine du maître, ce fameux Jomard avec son mémoire sur le système métrique des anciens Égyptiens. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Là, on a, je pense que le maître était ramené d'Égypte et il était repris par nos amis révolutionnaires en France, parce qu'il y a eu plusieurs définitions, mais il y a des scientifiques qui avaient déjà ce maître, on verra d'où il venait. Et je trouve que c'est intéressant de se remémorer ce que disaient les premiers égyptologues il y a 200 ans, notamment la préface, la petite phrase qui était admise, la citation que Jomard a mis d'un monsieur Gosselin qui avait fait des recherches sur la géographie systématique et positive des anciens, qui lui dit: on se convaincra d'après ces recherches que les mesures itinéraires des anciens sont plus exactes qu'on ne le croit. En les comparant au plan de la Terre tel qu'il nous est connu, il est souvent difficile, quelquefois même impossible, de décider si les erreurs que l'on croit apercevoir dans cet itinéraire doivent être rejetées plutôt sur le compte des anciens que sur l'imperfection de nos connaissances actuelles. Donc voilà, il y a 200 ans, les scientifiques les plus en pointe du moment n'arrivaient pas à faire la différence entre, dans la marge d'erreur, est-ce que c'est nos erreurs à nous de la mesure de la Terre, ou est-ce que c'est les anciens qui ont fait cette erreur? Ils en étaient au même point. Alors actuellement, on a des moyens supplémentaires de mesurer la Terre, mais on a changé les unités de mesure pour faire des mesures qui sont circulaires, une définition circulaire, ce qui fait qu'on ne change plus la mesure, et du coup, plus on améliore notre capacité technique, ben ça ne change rien, parce qu'on n'arrive pas à améliorer notre définition. Vu qu'on a changé la définition, on n'arrive pas à améliorer la mesure qu'on a. On n'a plus la même définition du mètre, elle est plus liée à la mesure de la Terre. Donc plus on est capable de mesurer précisément la mesure de la Terre, on ne va pas améliorer le mètre. Donc c'est dommage, et je pense que là, on a peut-être perdu quelque chose avec cette manière de penser. Et si on retrouvait cette véritable manière de penser des anciens, je pense bien qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus incroyable que ce qu'on pourrait croire, et que le mètre est beaucoup plus ancien. Mais là, on fera toute une vidéo, toute une explication là-dessus, où je repréciserai plein de choses. Là, c'était l'introduction à la géométrie sacrée, donc l'introduction aux proportions. Maintenant, tu es capable de connaître un peu, de repérer, d'avoir l'œil des initiés qui ont regardé les choses sous un angle différent, regarder les diagonales, regarder les doubles carrés. Et ensuite, ben, on va mettre ça dans la matière, comme on l'a commencé ici, avec le mètre, avec la taille précise, en lien avec les dimensions de la Terre. Et puis là, après la proportion, on aura la taille. Et la taille, c'est le mètre. Parfait. Bon, bah garde l'esprit ouvert, réfléchis à tout ça, et à la prochaine!